tous et bienvenue pour le récap. J'espère que vous allez bien. On est mardi et on va faire le quiz aujourd'hui. C'est parti pour le quiz jingle. Ouais. T'imagines ? On va faire. Non, calme-toi. Ah, ce prank, moi j'y crois. Oui, c'est. On va au Hellfest sous 40 degrés, effectivement, ça va être assez catastrophique. Norman, est-ce que tu as un conseil à me donner pour résister dans un festival à 40 degrés dans ma gueule alors que je déteste le soleil ? Tu vois que le roi du festoche. Bon, je vais te dire franchement. Mais fais le plus longtemps, il est bien. Mais faut que je vais bosser, Non, mais casse les couilles avec ces bossés. Moi, pour résister au soleil, tout simplement, toujours ta petite bouteille d'eau, toujours ton petit spray, mettre la petite casquette et tu passeras un été convenable. Eh bah, c'est pas un été, c'est un festoche. C'est à toi, tu. Festoche, oui. T'as vu ton synthé ? Non, j'ai pas vu, c'est quoi ? T'as la toco, il paraît. À la toco ? La cote. À la cote ? Tu peux raconter l'histoire ? Histoire de Levallois, de Levallois. Mais comment bah, dis-le, non, dis-le, c'est l'été, je suis assez bronzé, quoi. Donc, non, disons qu'en ce moment, bah voilà, quoi, ça se retourne un peu dans la rue, quoi. Non, mais c'est pas ça l'histoire qu'on veut entendre, c'est l'histoire des meufs qui parlent sur toi, quoi. Non, mais allez, dis-nous, tu es en train de le mettre dans le mal, là. Bah non, elle va l'attendre au fusil à pompe. Attends, il n'a rien fait, il n'a pas allé draguer. Il n'a rien fait. Juste qu'il entend des sirènes. Non, je dis, je fais le marché tous les dimanches, et voilà, et une fois ou deux, j'ai entendu, comme je suis récurrent. La poissonnière qui est. Des fois, j'entends, ça parle. Ah, c'est lui, machin, il est revenu. C'est lui, il est revenu. Il est revenu. Ce qu'il m'a dit, c'est pas ça. C'est, il m'a dit, oh là, il est de retour. Oh, le revoilà, le beau gosse. J'ai entendu ça et ça m'a fait marrer. J'ai dit, putain, je vous prends deux pommes. Non, mais c'est tout, quoi. Ouais, c'est tout. Non, j'en fais t'as pas la cote, hein. J'ai rarement vu quelqu'un qui aime autant qu'on lui dise t'es beau, je t'aime. C'est incroyable. Ah, ouais. C'est pas ton genre. C'est vrai. Oh, j'aime les gens, j'aime bien quand même. Ouais. Je comprends. Xari, lui, il aime les gens, il aime bien qu'on l'aime. Il aime pas trop les gens. Mais... La dernière fois, je me baladais avec Norman. C'est vrai que même les scooters se retournent. Le nombre d'accidents qu'il y a dans le vent. En Y, tout seul. Sur nous. Voilà. T'as la cote. Non, mais attends, tu t'es pas vu sans lunettes, là ? Non, mais c'est vrai. Clark Kent. Oh, le gueule. Ah, attends, c'est génial. Bon, tout le monde à la forme à ma droite, c'est bien. Moi, j'ai le monde qui s'illumine, c'est superbe. À gauche, comment ça se passe ? Bah, tout va très bien, la vie est belle. Toujours à gauche, toi. Tu merdes-toi avec ça. Bouger de place, mais effectivement, je suis devenu streamer hot tub depuis hier. Ça fait extrêmement plaisir. Norman aussi est hot tub, mais bon. Ouais, mais sur autre chose, quoi. C'est sur quelque chose qu'on peut pas. Tu vois le. Tu l'as ou pas ? Je l'ai. Tub pour dire la bite, Xari. Oui. Super. Oh, il a 10 bites. Oh, il a 10 bites. BITE. Mais oui, non, effectivement, je me suis régalé hier. C'était très très bon live et c'était un petit donation goal du The Event qu'il fallait faire. Donc, oui. Je l'ai fait aussi en même temps. Voilà. J'ai malheureusement pas écrit de nom de. Ah, t'avais pas un tableau derrière. Non, j'avais pas de tableau. En fait, j'avais pas la méta. J'avais pas la méta et j'ai demandé un peu déjà aux gens la méta nuit de m'expliquer. Méta nuit, elle était pas évidente. Pas ouf. Avec les voisins qui m'entendent pas parce que je parle suffisamment pas assez fort, donc ça va. Non, mais c'est juste que de jour, on voit plus quoi. Oh, envoyez. Ça fait super bien de nuit, j'aime bien. Mais moi, j'ai bien aimé l'ambiance de nuit. Avec le papillon. Donc il y aura un petit papillon. Le papillon. J'ai sauvé un papillon. Ah, c'était beau ça. Papillon de nuit qui était en train de se noyer. Je l'ai sauvé délicatement. Oh, mais quel héros. Ouais, effectivement. Donc, c'était top. Putain, le nouveau amour entre. C'est incroyable. T'avais la métallicorne licorne en plastique ou pas ? Pardon ? La métallicorne en plastique. Non. J'avais méta jacuzzi déjà. C'était pas mal. Et puis, non, mais tu sais, le côté calme, la nuit et tout, t'es posé. J'aimais bien. Puis j'aimais bien. On peut discuter avec les gens. Franchement, tu fais ça 2-3 fois, après tu t'achètes une station essence. Ouais, tu l'arrives avec quoi ? Avec l'électricité, tout ce qui est connexion internet. Non, j'ai pris la petite cam que j'utilise d'habitude pour faire mon live flipper qui prend le plateau, j'ai pris ça. Mais du coup, t'étais en Ethernet avec un PC portable Justement, au début, je me suis dit, est-ce que l'Ethernet va aussi loin ? Parce que mon studio est pas, enfin, mon garage aménagé est pas si loin, mais au final, c'était quand même trop loin. Donc j'ai prié pour que mon PC portable ait du réseau parce qu'il bug une fois sur deux et il n'a pas de Wi-Fi. Je sais pas pourquoi la carte réseau explose. Et du coup là j'avais du réseau, donc j'ai fait petit Wi-Fi. J'ai ressorti le micro, le Blue Yeti à l'ancienne. Voilà. Et vraiment le son, les gens étaient en mode waouh, mais c'est une matos professionnelle. J'ai dit comment vous dire que ce micro a 11 ans. Donc absolument pas. Et en vrai oui, effectivement le micro marche super bien en extérieur, mais en intérieur il pue la merde. C'est donc juste qu'il capte tout, donc voilà, c'est donc bien s'il y a personne qui te fait chier. Donc là c'était vraiment top. Donc ouais, j'ai vraiment kiffé quoi. J'ai raté ça, mais hier j'étais. Prof, toi, moi, mon synthé, c'est couche tard parce que je suis un peu au bout de ma life. Après, je l'avais prédit. Hein, je veux faire plaisir à trop de personnes. Et t'étais là.
J'étais là. J'étais là hier soir à 4h du matin dans les locaux de Webedia pour tester avec Max des jeux. J'étais là ce matin. Attends. Je ne veux pas que tu me mettes sur le dos des choses que tu vas assumer. Parce que moi, j'ai promis à Xari, je fais écoute, pour qu'il soit en forme demain, on va la faire courte ce soir. Effectivement, vers quoi, une heure et demie du matin, je crois, on avait à peu près fini ce qu'on avait commencé. Non, deux heures et demie, je pense. On a fini le premier jeu, on a fini le deuxième jeu à 2h30. Bref, on a été un peu tard. Déjà tard. Mais à 2h30, je suis en mode, bon, bah, stop. Ouais. Et en fait, il avait sorti un autre jeu. Il était en mode, oh, bah non, je l'ai sorti, on va le faire. Ah, optimisation. C'est énorme merde. C'est un bosseur. Tu reprends une heure et demie dans la gueule et puis après, le temps rentré, machin. Nanana. À 10h40, précise, j'étais en train de me réveiller. Précise. Pourquoi t'as pas dormi là? Il a dit, je vise 11h15. Il a rien visé. J'avoue, il a pas tort. T'aurais pu dormir là. J'aurais pu. Ah oui. Non, mais frère, la prochaine fois, je viens dormir chez moi, gros. Non, dans la douche. Non, parce que, en fait, j'ai déjà dormi là quand on avait le matin et que j'avais une émission le soir. Ouais. Mais parce qu'il y a personne jusqu'à 6h30. À partir de 8h. Là, si mon but, c'est de dormir jusqu'à 10h30, je vais dans Creative Space, à mon avis, ça va dérouler. Bref, donc. Mais bon, j'étais quand même là. J'ai quand même fait mes 2 heures de badge. J'étais juste au bout de ma vie. Puis de toute façon, vendredi, c'est. Il était à chier, non? Non, ça va. Ça... En fait, en prime, il est excellent. C'est juste que là, maintenant... Il n'était pas prime. Hein, là. Si, il était prime, mais pas pendant longtemps. En fait, là, je commence à faire la technique du collège. Quoi. C'est-à-dire qu'au collège, moi, j'étais pas très fort au bad, mais au bout d'une heure, les gens étaient fatigués. Et moi, je courais partout. Et bien là, je vois qu'à partir d'une heure, en plus, je perds plus encore que je ne gagne. Mais par contre, je cours beaucoup moins que lui. C'est-à-dire que... Plus intelligent dans le jeu. Bah, je sais pas si je suis plus intelligent dans le jeu. Dis-le. Mais en tout cas, en fait, je l'impatiente. C'est-à-dire que je fais que des coups défensifs et je le laisse courir comme ça. Tu fais que des balles bleues, tu veux dire, avec Donkey Kong. Ouais, exactement, des balles bleues. Non, en vrai, du coup, il court pas mal. Et du coup, au bout d'une heure, il commence à décroître et quand il est bien fatigué, c'est là que je m'envole. C'est pas le même âge non plus, quoi. C'est 9-10 ans de diff. Non, mais 9-10 ans, il a pas 40 ans. T'as quel âge, toi? T'as 36. 36? Ouais, pour nous, t'as 35. Ok, on fait comme ça. En gros, avant, quand on était au bad, moi j'étais là, lui était là. Et en fait, notre niveau, moi je montais un petit peu, parce que évidemment j'en refais. Et lui, et il va y avoir un point où, à mon avis, il va y avoir collision. T'es encore très. Parce que déjà, quand il a commencé, j'étais un petit peu au bout de ma vie. Il commençait à dire bon, allez là, motive-toi. J'étais, mais je me motive depuis déjà 10 minutes là. J'ai du mal à te prendre. T'es encore un cran bien au-dessus de moi. Même deux crans de Winterville, tu vois. Deux crans d'Interville. C'est une nouvelle unité. Le mur des champions. Notez-le, c'est le mur des champions, exactement. On va faire le tour du week-end de Jiraya, évidemment. Un petit peu sa life. Marie, comment ça va en régie? Ça va la forme? Ouais, ça va, coucou. Allez, on envoie un petit jingle. Je vais péter un plomb. Il est perdu, quoi. C'est vrai que les gens... Le week-end, j'ai rien, bonjour. C'est le pète. Non. C'est vrai que les gens demandent pourquoi il n'y a pas Erwan. Je pense qu'il est pris avec les finales NBA. Il travaille, donc c'est rare, mais ça arrive. On le laisse faire, quoi. Les gens qui bossent, ça dégoûte, effectivement. Week-end, ça patoche. C'est comme toi, hier soir, hein, boulot. C'est ce que j'expliquais aux gens, ils ont du mal à le saisir, mais bon, on lance pas des lives dans le jacuzzi par plaisir, hein. C'est boulot, faut faire ses heures, enfin bref, ça bosse, effectivement. C'est un exemple. Ce week-end samedi, du coup, on avait invité quelques personnes à la maison, puisqu'on fêtait avec un petit 8 jours d'avance, mais c'était la seule date qu'on avait dispo, nos 7 ans de mariage avec ma femme. Donc voilà, on a essayé d'inviter un peu des gens qui étaient disponibles, qui pouvaient venir, qui ne pouvaient pas, effectivement. Et ça a fait du bien. Il faisait très chaud samedi. On a un bon petit 30, plus de 30 degrés à Attends, la maison. Ça arrive. Ouais. Et ouais, justement, là, ce week-end, après, là... Mais là, ça va être catastrophique. Et du coup, ma femme m'a fait l'immense surprise de m'offrir une belle table de ping-pong. Oui. Pour les 7 ans de mariage. Et en plus, on a eu, ils m'ont expliqué un peu l'actu. Alors déjà, goldé le cadeau là. Déjà, oui, goldé de fou. Et puis, ma femme, pour les surprises, elle est très très forte, mais pas hyper discrète non plus, parce que
Bref, voilà. Et en clair, Yannou, que vous connaissez très bien, qui est venu solo parce que sa femme et les petites avaient un anniversaire, je sais pas quoi. Enfin, il m'a dit je viendrai, mais je viendrai tout seul. Quand il est venu, je dis bah viens, on va aller chercher un petit peu à boire et on va aller prendre un petit peu de bouffe puisqu'on avait pris de faire un petit barbecue le soir, donc on allait chercher de la barbecue effectivement chez Boucher et on revient. Et je vois qu'il y avait mes beaux-parents qui étaient à la maison et je les vois avec une remorque. Enfin, je vois la voiture garée sur mon terrain avec une remorque. Je suis en mode bizarre l'ambiance, une remorque. Mais bon, je fais bluff de rien, je me doute de rien, etc. Et vraiment, ils m'empêchaient d'aller dehors et tout. J'étais là, bon. Donc, vous prenez pour un con au bout d'un moment. Effectivement, et puis quand à peu près tout le monde est arrivé, puisqu'il y avait beaucoup d'amis de chez Solary qui ont pu venir, le frérot T'épouse qui est venu avec Tiana, il y avait Sakor, Amaury aussi a fait le déplacement, est venu, il y avait Zoubou et sa femme, on avait un couple d'amis aussi qui étaient présents. Et puis, comme on avait la petite à la maison pendant un petit moment et la petite dans un couple d'amis, donc. Voilà, c'est un peu ambiance chillos, tranquille. Et puis vers 19h, tout le monde est parti. Et là, on est devenu des bestioles quoi, à partir de ce moment-là. Ça m'a fait plaisir de refaire un petit beer pong. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de beer pong. Et... Apparemment, t'as lavé tout le monde. On a fait des 2v2 et je vais pas faire le mec. Mais c'est vrai que quand tu gagnes 4 fois d'affilée, au bout d'un moment, tu te dis les gars, moi j'aimerais juste consommer l'alcool que j'ai acheté. Donc s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des adversaires? Donc un peu compliqué avec mon ami Onguet. On était plutôt invaincu. Et pour perdre, au bout d'un moment, on se laissait un petit peu distraire par Ted qui était en duo avec Sakor, qui ont réussi à faire quelque chose. Un petit Ted qui, je dois l'avouer, a retrouvé un peu de sa superbe à ce moment-là. Il était en. LeBron James, on ne pouvait pas l'arrêter. Donc franchement, c'était bien cool. On a profité du bon jacuzzi. Non, Domingo n'était pas là, il ne pouvait pas être présent. Xari ne pouvait pas être présent aussi. Max ne pouvait pas être présent aussi. C'est Émilie qui a contacté un peu tout le monde, voilà, qui a fait sa popote là-dessus. Et puis c'était très bien. Dimanche, on en a profité aussi pour profiter du soleil, encore une fois. Et il y en a pas mal qui sont partis après manger et tout ce qui est Sakor, enfin tout le groupe Solary est parti beaucoup plus tard. Amaury voulait plus quitter le bureau, il était sur le flipper Gardien de la Galaxie. Vraiment, c'était ici il était en mode putain, je crois ça que a galé, en légende. Il arrive à un sac des high score, il était en mode putain, j'ai envie d'y croire. J'ai dit je regarde l'heure, là c'est tu vas envie d'y croire mais chez toi parce que il faut que tu partes. parce que malheureusement Sakor apparemment il casse du smash le soir. Effectivement, il y avait un gros tournoi au Canada, enfin qui avait lieu sur le week-end où Gluttony était présent. Ouais, c'était le Battle for Beast. Il a fait quoi, 5 et il a... ouais, contre Perv, il était 6-1, il était 6-1, donc donné grand gagnant. Il avait gagné le pound, il a fini deuxième au Genesis. Il a perdu en winner, il a perdu face à T et son Pac-Man qu'il a lavé. Et c'était drôle, le cast qui hurlait en mode putain, Pac-Man c'est broken et tout ça. Genre. Pas du tout, c'est bien, mais voilà, il a été moins bon. Et il a perdu en loser contre Riddles, qui est joueur canadien, donc qui joue à domicile et qui était vraiment, vraiment porté par le public. Il a perdu contre son Terry Bogard. Un petit Terry Bogard, il est fort, un Terry et Kazuya, donc c'était vraiment hyper agréable à suivre. Et il y avait beaucoup de joueurs japonais aussi, et c'est d'ailleurs Ken, un joueur de Sonic et de Sephiroth, qui a remporté la victoire. Et voilà, il y avait quand même des Européens, enfin il y avait Gluto. Un joueur de Sonic ? Le mec, qui joue Sonic, ouais. Immonde Sonic, c'est horrible. Je vois rarement des Sonic. En fait, quand tu joues Sonic, tu ne t'amuses pas, donc. Effectivement, t'as pas envie de voir ça. Et le truc, c'est que c'est un joueur aussi japonais. Et c'est vrai qu'au Japon, ils ont quand même des tournois très très stack en termes de niveau, mais les mecs jouent tous des persos que personne ne joue. Genre, t'as des duos Duck Hunt, des machins, enfin, vraiment, et c'est trop bien. Du coup, t'as vraiment de tout. Et là, il y avait vraiment une délégation japonaise qui s'est déplacée. Il y avait Siski aussi, qui est un joueur espagnol, qui est toujours free agent, d'ailleurs, qui joue, je pense, la meilleure Dark Samus du monde à l'heure actuelle. Et qui a fait aussi très, très bon résultat, mais qui a perdu contre Shuton, qui est le joueur un peu aussi némésiste de Gluto, puisqu'il joue Olimar. Et c'est vrai que Shuton était vraiment très, très bon. Siski, il lui a cassé la gueule, mais genre vraiment, on aurait dit c'était son petit quoi. Il a fait passer Siki pour un mec qui faisait des pâtisseries quoi. Donc c'était assez compliqué pour lui. Et voilà, je me suis régalé. Moi, j'ai suivi tout le tournoi. Et puis voilà, lundi après, on l'a vu, hein, j'ai pu enchaîner sur un petit live Heart Tab. Comme ça, c'était ni fait ni à faire. Des images. C'est vrai qu'il y a des images. Deuxième tweet, Marie, effectivement. Flouté. Bon, voilà, on rappelle que certains sont plus travailleurs que d'autres, quoi. C'est vrai. C'est vrai que je me dis que quand même, putain, on fait un métier pas facile. Putain. Attends, c'est du boulot, on n'arrête pas, on compte pas ses heures. Et là, je pourrais être chez moi tranquillement. Qu'est-ce que je fais? Je travaille, voilà. C'est vrai que moi, je compte pas mes heures. Aujourd'hui, encore une fois, c'est boulot. J'arrive pas à me sortir ça de la tête, quoi.
avec ton verre. Petit verre. Petite anecdote sur ce verre d'ailleurs. Mon ami Yann, quand il vient le samedi, il nous appelle et il nous dit je suis au pressoir. Donc, pressoir, c'est vraiment un truc, tu peux acheter des bières artisanales, du bon vin, voilà, plein de choses qui est à côté de chez nous. Et il nous dit est-ce que vous voulez que je prenne un truc en particulier? Ma femme, elle dit moi, j'aime beaucoup le vin d'Alsace, un moelleux. Ça, c'était mon setup de l'enfer. Et elle me dit elle lui dit si t'as un petit vin d'Alsace, etc. Ok. Donc, il y va, il choisit, et puis il voit les bouteilles, tu vois, à 10 balles, 4, tu vois, nickel. Il dit, vous m'en mettez deux, et puis il fait son truc. Lui, il se prend des petits trucs, un petit rouge aussi, je sais plus ce qu'il prend. Et puis, au moment où il arrive en caisse, la meuf, elle bip les bouteilles, et il voit 48 euros, 52 euros. Et du coup, il était en mode, ah merde, il était en mode, c'est pas normal. Je pensais que c'était 14 euros la bouteille. Et il a pas voulu perdre la face face à la caissière. Il est évidemment. Elle lui a sorti la note. Il était en mode, ouais, sans contact. Sans contact, 100 balles. Non, mais ça marche pas. Mais il était en mode. Ton téléphone. Il était en mode, let's go. Et du coup, quand il est arrivé, il nous a expliqué ça. Il était en mode, c'est vrai que je vous aime beaucoup, mais si j'avais pu éviter. Et du coup, ça, c'était la bouteille de Gewürztraminer Vendange Tardif, si je puis me permettre. Excellent vin, excellent cru. Très tardif, bien sucré, bien moelleux. Je remercie le Yannou qui a financé une partie de ce live tub au final avec cette très très belle bouteille à 50 balles, mais il avait le cœur sur la main, donc voilà. Voilà pour moi, bon week-end. C'est le plus important. Ouais. Tu t'es régalé d'alcool, je vois. Moi, je me suis régalé de charcuterie. Trop d'alcool, bon, pas plus que ça. On est allé bouffer chez Fabien. Vous avez découvert le Fabien il n'y a pas très longtemps. J'ai reçu mes 3 kilos de charcuterie là. Ah, d'accord. Et de charcuterie qui au même fournisseur que là où il se fournit au restaurant. Ouais. Je suis actuellement en train de me transformer. En créature. Je deviens un porc. J'en mange tant que je me transforme directement. Ça te va bien. C'est très très bon. Très cher aussi, sympa, mais très très bon. Sympa de faire partager les copains, en tout cas, il n'y a pas de souci. T'es venu je suis venu dimanche, j'ai rien reçu. J'ai reçu hier Ah si, j'ai reçu des pâtes avec du jambon. Mais attends, il va pas... Tu minimalises de la bouffe. Ça fait à bouffer. Pardon. Tu trouves un moyen de... Tu manges tes steaks congelés au four à micro-ondes et tu oses te plaindre aujourd'hui? Tu n'as pas honte? C'était très bon. Mais je pensais pas que tu avais reçu... En fait, il y a des limites. C'est juste que tu as la bonne bouffe. Par exemple, moi j'en prends. J'en donne un peu à Ragnar. Ouais, voilà. Faut pas déconner. Voilà. Quand même. Ok. On va faire plus de bad dogs, arrive. Le dimanche, t'inquiète. Sympa. Bon, allez, on est parti pour l'actu des réseaux sociaux. Jingle. Oui, alors, Rofelos. Oui, Rofelos, il va faire un petit hommage à Erwan Abotret, à qui j'ai pris la place aujourd'hui. Enfin, c'est surtout qui me l'a un petit peu cédé. Pourquoi? Bon, c'est un petit peu vieux, mais je trouvais ça stylé. On n'en a pas parlé dans le récap. C'est une animation, imaginez Spider-Man qui joue au basket. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Le mec triche. Ça triche un petit peu, tu vas voir. C'est pas mal fort, je pense. C'est plutôt pas mal. Ok, ça va. Ah bah oui, j'ai des toiles. Et... C'est quand même assez jouissif. Je crois que c'est un move pas autorisé. Je sais pas si ce serait légal, mais en tout cas, c'est GG. Le mec a dit qu'il fait cette animation depuis 2018, donc le mec, il a un peu taffé son truc. Depuis 2018 Ouais, il fait ça fait une image par jour. Tous les jours. D'accord. Tous les jours, 8 heures. Non, je dis au plus GG à lui. Mais bref, c'était plutôt stylé et je trouvais ça sympathique en entrée de jeu. On enchaîne avec la Gige. Ouais, effectivement. Il va se faire opérer peut-être? Non, pas du tout, mais si, regardez, si je fais ceci, qu'est-ce que vous voyez? Rien. Le soleil. Eh non, malheureusement, plus de cheveux. Mais est-ce qu'on n'arriverait pas peut-être aujourd'hui sur la fin de la calvitie? Pour tous les hommes. Mes frères, peut-être. Et oui, je le dis aussi en te regardant, aujourd'hui, cette casquette cache beaucoup de choses, mais pas beaucoup de cheveux. Nous le savons. Plus pour longtemps. Car peut-être, est-ce la fin? Une étude, apparemment, on m'a envoyé ça. On arrobasse quand même Xari et moi, on s'est sentis consternés. Une agence américaine du médicament qui vient d'approuver un traitement efficace contre l'alopécie qui restaure la croissance des cheveux chez la moitié des patients. Ah. Environ. Hein, donc voilà, en gros, ils ont fait. Ils commencent à faire des tests. $2,500 par mois. Hein. Exactement, donc ce n'est pas à la moitié des patients, l'autre moitié n'a pas les moyens. En fait. Et puis laissons les gens tester pour nous, j'ai envie de dire à ce moment-là. Mais regardez, c'est quand même assez bluffant, comme on dit dans le milieu. C'est vrai.
Attends, le week, entre le week 0 et le 36, frère, il y a quand même. Attends, il y en a certains, ils ont fait Muse quand même. Ouais, il y en a pas. Celui qui est tout en haut à gauche, effectivement, il a voyagé, mais après. Mais du coup, on a envie de se dire, est-ce que après, ça a marché pour la moitié. Est-ce que la Turquie va perdre son chiffre d'affaires maintenant avec ce nouveau traitement miracle, peut-être. Putain. Mais pas à la portée de toutes les bourses aux États-Unis, en tout cas. 2500 balles par mois, ça commence à faire chier. Combien ouais. Mais même, ça a marché que pour la moitié des gens. T'imagines, tu payes 2500 et ça marche pas. D'autres sont morts, mais. Après, tu vois vite si ça marche. Apparemment, tu vois vite si ça marche pas. Ah oui, c'est juste, c'est plus lent. Bah, pour, ouais, je pense que tu vois vite, quoi. C'est juste, c'est lent à se régénérer complètement. Non, moi, à l'inverse, un monde où tu le fais. Bah en fait à l'inverse, en gros j'en ai parlé à Xav ce matin, il va faire très 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 chaud ces prochains jours. Je suis un homme de science, vous le savez. Je pense que demain j'y passe. Tu rases ? Non, tu rases. Non, tu rases. Ouais, mec, fallait y passer aujourd'hui, comme ça c'était le reveal. Eh bah le reveal ce sera jeudi, et ça tombe bien puisque on est trois dans le récap jeudi, donc on va essayer de faire il faut un petit du contenu. C'est ça. Attends, donc, tu fais boule à zéro. Ouais, je veux tenter. Oh. Mais à mon avis ça va pas être fou. Parce que moi, j'ai pas une peau ouf, j'ai un peu d'eczéma, j'ai un peu des gants, j'ai mal placé. Une belle gueule, une belle gueule. Quand je vois des gens. Il disait extraordinaire. Zoulou, il est en mode, ouais, je suis pas sûr. Jiji, t'es en mode, je suis pas sûr. Au final, il est jamais bien dans l'arrière. Non, ça dépend juste de la forme de ton crâne. Parce que moi, quand j'ai vu, quand ma femme m'a rasé en live et tout, je me suis dit, putain, quand même, j'ai la chance de pas avoir le crâne d'E.T. parce que sinon, ce serait catastrophique. C'est vraiment en mode. Je sais pas. J'ai un peu peur de ce qu'il va y avoir en dessous. Mais en vrai, je me dis, testons maintenant, au pire, ça. Tu me permets, tu trouves que t'as un très beau crâne. Tu ne sais pas, tu ne l'as pas reniflé. Bah, bien sûr que si, t'es allé te baigner en casquette quand on est donné. C'est bon, ouais, je l'ai vu. Hein. T'es allé te baigner en casquette. Eh oui, sinon, Gigi, toi, si il se trouve que ce truc est efficace, arrive en France, machin. Tu lâches 2500 balles pour revenir à ta chevelure Tokyo Hotel ? Absolument jamais de la vie. Mais en plus, moi, j'ai fait le deuil de mes cheveux. Ils sont partis, ils ne reviendront pas. C'est tout. C'est une histoire qui a pris fin. Il faut savoir. C'est une ex. Et on ne se remet pas avec une ex. On ne se remet pas avec une ex. Eh oui, monsieur. Donc, je suis fini. Un peu au purgatoire, moi. toi, tu es dans le moment, tu sais, le statut Facebook, c'est compliqué. Et donc, du coup, tu essaies encore de sauver ta relation. Et donc, je peux comprendre. Mais après, peut-être la rage, tu ne sauras pas. Tu ne sauras plus vous donner de la tête, peut-être. On verra. En tout cas, faut le tenter, je pense, effectivement. Xari, forcément, je me tente vers toi. Moi, pour l'instant, j'ai rien. Donc Xari, tu n'as pas de calme, rien, en vrai. Il y a les golfs. Ah, ça va. C'est plus des golfs. C'est un green entier, mais. C'est Tiger Woods. Mais... Non, en vrai, c'est OK, gros. C'est OK. Xari, si je le fais, tu le fais. Moi, ça me choque pas, moi. Non. Je le fais, tu le fais. Non. Non, mais tu me suis ou quoi? Moi? Ah non, moi je ressemble à Conehead. Tu l'as vu le film? J'ai une. Ouais, c'est vrai. Avec ma gueule en fer passé. Non, mec, c'est vrai que toi, t'es une forme de crâne, je pense, qui n'est pas adaptée. Ça se retournera moins bien dans la rue, je pense. Ouais. Alors voilà, le beau gosse. Non, mec, ça se retournera peut-être. Regarde ce film. Moi je ressemble à Conehead. Génie, c'est au milieu. Mais Conehead, non, moi je. C'est quoi le pitch de ce film? C'est des extraterrestres. Heureusement. Non, c'est des gens normaux. C'est que des gens qui habitent à Montargis. Tu l'as vu, toi? J'ai jamais vu, moi, ce film. C'est un film d'Anna Croyd, c'est un film des années 80. Mais... Donc, moi, les cheveux, ça s'est coupé. Non, je garde mes cheveux pour l'instant. Mais ça commence aussi un peu, genre là, un tout petit peu. Mais du coup, t'as pas vraiment répondu. En gros, la question, c'était est-ce que. Oui, j'avoue, il y a plus de. Ah, mais putain, quelqu'un qui a appuyé sur. Arrêtez de toucher. Bah c'est pas... Personne n'a touché. Alors comment est-ce possible? C'est la régie. Qu'est-ce que je disais? Est-ce que si ça commence à partir, est-ce que t'es prêt à lâcher des thunes pour que ça revienne ou est-ce que t'es en mode tant pis je rase? Lâcher des thunes, ok, mais il faut que ce soit safe, quoi, parce que là. Tu lâches 2005, tu vois le premier mois non, si ça prend ou pas. Pas santé. Parce que là, on sait pas. Ça se trouve, oui, tu récupères tes cheveux, tu perds tes couilles. On sait oui, pas. Ouais, je préfère mes cheveux que mes couilles. Enfin, je préfère mes couilles que mes couilles. Aujourd'hui, la vérité éclate sur ce plateau. C'est on en donc fait ça. Beaucoup. Il s'en bat les couilles. On en fait beaucoup. Alors, que refait-le, soit nous expliquer du coup les raisons de la canicule. Parce qu'il va faire chaud, donc voilà, tout le monde la boule à Z. Et pourquoi il fait chaud? Je pose quand même la question. Bah, en fait, vous pensiez que c'était juste le climat qui faisait un peu n'importe quoi, mais non, pas du tout. Tout est politique dans ce pays. Et la preuve en est par le chef, entre guillemets, des chasseurs de France qui en a sorti une belle il n'y a pas longtemps.
Dans la prévention et agir. Il faut reconnaître quand même qu'il va faire chaud pendant 3 jours. Bizarre, on est entre les deux, le premier et le deuxième tour. Mais attends, on est du matin jusqu'au soir, depuis 2 jours. Attention, l'écologie, ça, machin. C'est la faute de Mélenchon ou pas? Dites-le carrément au niveau de la météo. Votez la nuque, on va gagner du temps, on a compris. On n'est quand même pas débiles, on a bien compris. L'heure est tellement bien. Attendez, je peux arrêter maintenant? Non, mais bizarre. C'est quand même étrange. Comme par hasard. Que c'est bizarre. Comme par hasard. Comme par hasard. Il est très fort. Donc ça, c'est en France. Et j'enchaîne du coup avec aux États-Unis où quelqu'un a trouvé un petit tips pour profiter de la canicule, parce que c'est quand même la paru temps chiant. Voilà, c'est quelqu'un qui fait des petits TikTok. Le principe, il prend un steak et au lieu de le mettre au micro-ondes, comme toute personne sensée, il va le mettre où? Bon, il fait de l'assaisonnement américain. Voilà, très bien. Ok, il assaisonne. Et là, la main légère, surtout sur l'assaisonnement. Où est-ce qu'il va le mettre? Il va le mettre sur le capot, enfin le capot, l'intérieur de sa voiture. Pour l'odeur, c'est bien. Et il fait l'équivalent de 106 degrés, à l'intérieur. Fahrenheit. Non, 222 Fahrenheit. Et en fait, si tu te mets à une place très au soleil, avec le verre, avec le truc qui chauffe, etc., il arrive et il a un compteur de ça. Et j'ai vu, alors je me suis un petit peu, j'ai vite fait fact-checker, et j'ai vu qu'effectivement, c'était possible d'atteindre des températures au-dessus là, du tableau de bord, de plus de 100 degrés. Ah oui, c'est pour ça que les gens, des fois, qui ont oublié leurs animaux ou des enfants, c'est vraiment... un poulet rôti, c'est top. Non, mais je le dis, parce que, c'est très grave, c'est vraiment c'est des brûlures pures. Donc non, c'est pas dans 100 degrés, ça m'étonne pas. Et effectivement, j'ai regardé la météo à Phoenix, en Arizona, 40 degrés. Je me dis que c'est bizarre, ces 106 degrés, là, bizarrement. Comme par hasard. Entre les deux tours. Entre les 106, tours, Peugeot, tu vois, il y a un truc. Oui. Dites-le, Peugeot, que vous voulez fantastique. Non, mais n'importe quoi. Vous êtes tous amateurs de binous ici, surtout toi. Oui, c'est vrai. Si. C'est quoi ta bière préférée? C'est la Brooklyn Lager. The best beer in America, yes, of course. Ah, ok. Et elle a quoi, cette bière? She's unique. It's the taste of love. Non, je sais pas. Toi, c'est marqué Brooklyn. C'est le brassé. J'adore. Moi, j'adore cette bière. Voilà. Ok. Toi, ça boit pas, toi? Ah, bah, ça ne boit pas. Moi, je m'en fous. Non, en vrai, elle a un cochon quoi. Non, mais en vrai, j'ai pas de truc. Je suis pas suffisamment calé pour te dire cette bière là. Ouais. Oh, la bière de Nigloland, très très bonne. Oh, la Niglobière. Oui, ouais, c'est ça. Et ils font leur propre bière. Et est-ce que peut-être une bière un peu spéciale, un truc. Genre, tu t'es dit, par exemple, je sais pas, une bière à la noix de coco et tu t'es dit, putain, trop bizarre cette bière. Parce que t'as jamais rencontré une bière un peu spéciale qui t'a fait un peu taille. La Lef Ruby, elle plaît à pas mal de gens. C'est pas si original. Non, mais un truc un peu original. Non, bah écoute, j'en ai reçu une il y a pas longtemps. Là, ma femme, je sais plus, avait fait une commande et là, comme elle connaît la meuf, en cadeau dans sa boutique, elle lui avait mis une bière. Mais alors, j'ai plus le nom exact, mais ça avait un goût mais très très particulier. Et à tel point que j'ai pas arrivé à la je ne suis pas par, j'ai pas arrivé. Je suis pas arrivé à la finir parce que elle me tapait le Vaucer quoi. Genre vraiment elle était forte. Le Vaucer. Et ça avait vraiment un goût particulier, je voudrais pas dire quoi exactement, mais c'était très spécial, c'était une bière, il y avait marqué Viking dessus. Bah frérot, Viking, j'ai pris toutes les saisons dans la gueule hein, vraiment un mal lavé quoi. Et ben là, c'est une bière un peu spéciale, c'est une bière à la pisse. Ah. Voilà. Ah. Bah, j'étais pas loin. On aime bien ça, la bière à la pisse. On dit c'est de la pisse, c'est vrai. Non, mais en gros, j'avais pas vu ton tweet, hein, donc j'avais pas fait exprès. Non, en gros, c'est pas vraiment. Enfin, bref, c'est pas vraiment à la pisse, mais en gros, c'est. On récupère les urines, les eaux usées, on les recycle, on les nettoie et on utilise ça pour faire de la bière. La New Water, voilà, c'est le programme New Water qui permet de faire ça. Ça vous dit un petit peu? Bah après, dans l'ISS, ils recyclent leurs urines et compagnie pour pouvoir boire. Oui, il y a aussi la fondation de Bill et Melinda Gates qui avait mis en avant un système de filtration où, en gros, avec de l'eau dégueulasse, ils arrivent à faire une eau potable. Et pour montrer le truc, ils avaient fait une vidéo où Bill Gates boit de l'eau et il est en mode ouais. Elle est très bien. Oui, sinon, il y a les espèces de paille là. Tu bois dans n'importe quelle eau et ça filtre et tout. Ah oui. Et voilà. Mais bref, en vrai, il y a les carabes Brita. À tester. Ouais, c'est pas mal. Pour lutter contre. Pour lutter contre les plastiques. Et notamment dans une zone où apparemment il y a l'eau et c'est pas non plus. C'est pas non plus ce qui est. Enfin, c'est une denrée assez rare. Et donc, du coup, on récupère la pisse, on enlève tout ce qui est mauvais. Denrée rare aussi. Et voilà.
Bon, il faut juste pas tomber sur la bière de la bière à l'ammoniaque, mais... quoi. C'est technique. On enchaîne avec une info primordiale, les amis. Je ne sais même plus ce que c'est. On va le découvrir ensemble. Oui, c'est une info primordiale. C'est pas une vidéo qui nous donne cette info. Sachez que le composé V est stocké dans les couilles. Ah, voilà, c'est important. Voilà, c'est le compte officiel Prime Video France. Il se régale, ça amuse beaucoup de Jumpé. En tout cas. C'est le compte officiel, putain. Mettez les plans. Ouais, c'est normal, c'est la promotion de The Boys, quoi. La promotion. Ouais, voilà, c'est quand même osé. Oui, le composé. Ouais, ça te choque. Après The Boys, c'était osé aussi. Ouais, hein, ça choque. Oui, voilà. Non, mais que ça soit sur le compte officiel d'Amazon, c'est ça. Bon, après, c'est la promo, mais quand ça même. Choque. C'est surprenant. Je suis choqué. J'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. En tout cas, les vraies infos sont sur le compte de Prime Video FR Genius. Ouais, hop, je vais essayer ça. Bon, c'est le Joker, je l'imite mal. Ouais, j'en ai parlé dans Lunch Play. Ça. Ouais, tu l'avais pas de fou là. C'est pas ton meilleur. C'est le dentiste. On a parlé ce matin dans Lunch Play. Oui, les rumeurs. Ce sont des rumeurs comme quoi Lady Gaga serait dans Joker 2. Et oui, Joker 2 qui a été confirmé, hein, réalisé par Todd Phillips et toujours Joaquin Phoenix. Donc voilà, ce ne serait pas. Alors, c'est une histoire différente. On connaît Harley Quinn, interprétée par Margot Robbie. Et du coup, voilà, Lady Gaga serait pressentie pour interpréter Harley Quinn. Donc, on trouve ça plutôt bien. C'est une, on rappelle quand même, une super actrice, elle est fabuleuse dans Gucci. Parce, hein. Ouais. parce que c'est une suite musicale. C'est parce que c'est une suite aussi, voilà, musicale. Okay. Donc voilà, je prends bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, alors Joker 2, qu'est-ce que ça va donner? Je rappelle, on en parlait avec J dans Lunch Play. Ouais, ouais, Joker 1, je l'ai vu 5 fois, c'est un super film. C'est surtout très bon. Une des plus grandes prestations du cinéma. Joaquin Phoenix, qui est absolument extraordinaire, oscarisé pour ça. Ouais, ouais. Donc ouais, je vous conseille de le voir. Et le 2, on va voir ce que ça va donner. Je t'avouerai que si c'était pas Joaquin, si c'était pas Joker 2, si c'était pas... Est-ce que ça s'appellera genre Joker 2 ou ça va être le... non, donc, tu vois, c'est juste le nom de code Joker 2. Oui, enfin, il a le titre, c'est... Folie à 2. Folie à 2. Voilà, ouais. Folie à 2. Il a Folie le script. Il reçoit le script. Folie à 2, a priori, Batifolage. Quand t'es un peu fou dans ta tête, voilà. En fait, d'autres personnes de ton entourage deviennent fous aussi avec toi. Enfin, en tout cas, partage ton... La folie. En fait, t'es pas tout seul dans ta tête, t'as aussi Harley Quinn, vous êtes fou. Enfin, il y a... espèce de medley de pensée. Donc, le Folie à 2, c'est le nom même en anglais, quoi. C'est oui, un terme. Ah, d'accord, ok, vraiment, c'est en anglais c'est... Comme Mr. Rendez-vous. Rendez-vous. Nous avons un rendez-vous. Donc voilà, c'est j'ai voulu dire Gaga, ce serait bien. Moi, j'aime très bien beaucoup. Les Gaga. Et, c'est Gaga, pourquoi pas, mais le comédie musicale, c'est un. Attends, c'est pas, non, il y a du genre, c'est trop bien, c'est pas musical, mais si c'est une, ce sera pas une comédie musicale, c'est pas Esco musical, sinon, enfin, c'est pas du rêve. C'est pas la Lalande, tu me fous la Lalande, non, mec, il y aura du chant, ça va pas dans bruit, gros, t'as vraiment. J'ai fait un doigt de tout casser. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? De quoi? Oui, apparemment, on a. C'est écrit musical sequel. C'est un musical, quoi. Non, arrête. Apparemment, c'est du chant, mais c'est pas une comédie musicale. Était apparemment, c'est qui qui nous a dit ce matin, c'est Marie. Donc, je ne peux pas t'aider, gros. Après, non, je vous dis comédie musicale, la sortie. C'est impossible. On verra, parce qu'en plus, c'est des rumeurs bon, qui sont sur, un, voilà. sur quelque chose d'assez, qui a l'air assez, voilà. assez safe. Gaga est encore confirmé. Il faut qu'elle accepte, il faut que ce soit vraiment ça, etc. Ça va être un drame musical. Après, comme en vrai, ils ont eu les coronesses de faire un Joker qui était vraiment différent des autres trucs. Ah bah oui. S'ils mettent, parce qu'il y a du beau monde hein, à Broadway et compagnie pour faire des bandes musicales. On iront. Hein. Et qu'il y a un truc quand même, évidemment, ils vont garder quand même le côté un peu dark, un peu tout ça. Il y aura du monde. Hein. Premier film de 18, plus de 18, a dépassé le milliard. Oui. Todd Phillips, il a pris 100 millions. Enfin, mec, t'inquiète, Joker 1, c'est un des plus grands succès. 100 millions, il a pris. Ouais, t'imagines, en tant que réel. Il voulait pas faire le 2, il prend 100 millions de dollars. En tant que réel. Maso aussi, pour la dernière pub, il a pris dans les 100 M, je crois. 100 M, ouais, Monopoly. Ouais. donc voilà, 8 dollars. Oui. On enchaîne avec Rof qui va nous parler de manga, non? Ben ouais, parce que moi. Mais non, toi? Mais moi-même, je suis pas du tout animé, mais je crois que j'en ai vu. Allez, j'ai vu Death Note, Dragon Ball, t'as à l'ancienne. Ouais. Et vous dites encore ça, les jeunes? et j'ai vu parce qu'on m'avait conseillé, parce que le pitch me plaisait bien, One Punch Man. Oh là là. Et avec Saitama. Et bien, figurez-vous qu'ils vont faire ce que tout le monde attendait, non? Un live action. Oh non. Et tu peux balancer le tweet qui va résumer un petit peu tout ça. Ah, du coup, Gigi peut peut-être faire le rôle. C'est vrai. Bah moi bientôt. Attendez. Il y aura un casting. Pépé, Erwan et compagnie. Et notre ami Zulu. En tout cas, Justin Lin, vous savez qui c'est? Il y a marqué. C'est le mec qui est parti du de la réalisation de Fast and Furious 10. Ah oui. Ah oui, pour laisser le français, pour laisser le terrier. Je me casse. Ok, ouais. Et je vais faire One Punch Man. Non, je sais c'est pas ça. Si c'est lié, mais en tout cas. Je m'en vais et je fais One Punch Man. Je sais pas si c'est. Casting, The Rock.
On verra bien. Ouais, je sais pas, il fait tout dans le non, en plus, franchement, en casting, il faut un mec quelqu'un dans le ouais. Bah oui, il faut un mec tout. Bah tiens, il est là. Oh, mais c'est putain. Exceptionnel. Wow. One punch. Franchement, ouais, t'es bien. Merci. Ouais. Appel. Oui, je peux appeler. Appel. J'ai le numéro appel. D'ailleurs. Appel. Ouais, allô. Allô, ouais. One Punch Man, c'est qui croit. Mais vous voulez un One Punch Man qui juste parle français. En vrai, tu vois quel acteur. En réalité. T'as la carrure, je pense, d'un Saitama à peu près. Peut-être un peu trop musclé. Non, ouais, mais c'est pas. Saitama est pas tout cuss. Ouais, non, non, il a une forme. Tu vois, il est juste très sec, mais il est tout cuss. Hein. Ouais, ouais, ouais. Après, il est sec de fou. Faudrait un mini Jesus Tatum. En fait, il faudrait toi, mais en plus petit. Ouais. Un peu petit et sans cheveux. Sans cheveux. Oh, ben oui. Pépé Garça, trop petit. Il est trop petit et pas assez musclé. Ah merde, ouais, moi sans puis il est pas dispo de toute façon. Non, il est pas, il a eu. Un Statham plus fin, ouais, c'est pas faux. Ah, Statham, pas mal. Genius. Jazzy ouais, Statham in the trash can. In the trash can. Oh, c'est excellent. Raison le cinoche, parce que j'ai vu un film qui est sorti récemment sur Netflix, un film qui reste dans l'univers du basket qui s'appelle Hustle, le haut du panier. Me subtiliser le chat c'est ça. Non. Je regarde pas pour l'instant, je suis comme ça. Simon, c'est, on va lui mettre des pièces pour regarder. Des pièces, des trucs. Donc, L'eau du panier, c'est un des derniers films avec Adam Sandler. Vous savez, moi, j'adore, je suis fan d'Adam Sandler. Je racontais l'anecdote tout à l'heure. Oh, l'anecdote de Zinzin. Je raconterai après mon test vidéoludique. Donc, voilà, c'est l'histoire d'un recruteur un petit peu sur le déclin. Le patron, le grand patron qui vient de mourir de son équipe Philadelphia, incarné par Robert Duvall, un grand monsieur du cinéma, s'est repris par son fils et en gros le nouveau patron lui dit bah voilà toi ton but c'est d'aller recruter voyez dans le monde entier c'est un mec qui voit très peu sa famille c'est Ocean Eleven hein il recrute Ocean Eleven genre non c'est un mec c'est ça pourrait être ça mais un mec et le but c'est de trouver la nouvelle perle rare voilà pour amener à l'équipe et pour que ça soit la nouvelle légende c'est ce qu'il fait un jour voilà il va avoir un match en Espagne et il se dit bah stylé, en vrai. C'est stylé de fou C'est sorti. Le générique est stylé, l'ambiance, la musique, tout est stylé. Et il se balade, il dit, est-ce que je peux trouver un panier, je peux trouver un terrain de basket pour shooter quelques hoops. Et là, il voit un petit match underground, un truc comme ça. Et il voit un mec hyper grand, un espagnol, qui est un mec extraordinaire. Il lui dit, bah viens, je crois en toi. Le mec, il vit dans la merde. Il vit dans la merde. Le mec, comment il s'appelle c'est un vrai joueur de l'équipe d'Espagne, d'ailleurs. Je savais pas. Et qui est très, très bien, ils l'ont pris parce que voilà, c'était crédible. Il est bien meilleur que LeBron James, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que du coup, en termes d'acting, il est OK. Il est bien. Alors, c'est pas De Niro, mais il est bien. Il est bien. Après, c'est pas forcément ce que t'attends aussi, quoi. C'est juste, il doit jouer un joueur de basket. Donc voilà. Et ça repose pas sur lui, tu vois. C'est Sandler. Du coup, il le prend. Le mec, il vit dans la merde. Il dit, bah tiens, je vais croire en toi. Et le mec se bat, mais des mois et des mois. Il s'appelle Juan Hernan Gomez. Juan Hernan Gomez. Il est en NBA aussi, apparemment. Ouah, la vache. Il fait partie de l'équipe et qui est ouf. Et il dit, bah je vais croire en toi et je vais te faire entrer dans l'équipe. Il entraîne. Il y a un petit côté Creed où tu le vois, il le fait lever à tous les jours à 4h du mat. Et c'est fabuleux. Et Adam Sandler, encore une fois, moi, je suis fan de ce mec parce que je suis autant pour la comédie et dans le côté un peu plus sérieux qu'on a vu dans Uncut Gem où il avait d'ailleurs un prix et là il est vraiment génial l'ambiance du basket les musiques les personnages les rôles le côté un petit peu tous les petits aléas et les underground de l'univers donc franchement c'est très 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 bien très bonne surprise et puis encore une fois un Adam Sandler qui peut tout jouer donc voilà c'est ça s'appelle Hustle en anglais le haut du panier il est sorti mercredi dernier et je vous le conseille c'est très j'ai l'impression très, d'avoir très... vu 10 fois le même genre de film. Ouais, mais du côté, c'est toujours bien. Comme par hasard. Bref, voilà. Mais ça a l'air d'être quand même bien fichu, suffisamment pour. C'est bien fichu. Adam Sandler, il a vraiment une humanité quand il joue pas de côté humain. Moi, j'aime bien, mais il a quelque chose qu'il apporte. Et vraiment, il est hyper touchant et ça apporte beaucoup au film. Donc voilà. Je vous le conseille, Ivan. Et je reste dans le ciné. Je raconte juste rapidement. Ah, vas-y. Oui, j'étais fan d'Adam Sandler et un jour, je dis, c'est quoi, je vais tenter le tout pour le tout, c'est la connerie. Je vais appeler son agence aux États-Unis. Je regarde sur Google. Je trouve le numéro de son agence. Bon, j'appelle, tu vois. Mais quel hacker. Et je tombe sur un mec, et c'est vraiment le bureau d'Adam Sandler. Et je dis, est-ce que je peux parler à son agent? Je me suis dit, il va m'envoyer chier. Il me dit, oui, je vous la passe tout de suite. Et je crois, l'agent, la dame qui s'occupait du bureau d'Adam Sandler, c'est pas du mytho. Et je lui ai demandé, comment on fait pour avoir un rôle? Je suis intéressé. Il me dit, ça se passe pas comme ça. Elle me dit, voilà. Donc j'ai eu une des personnes qui s'occupait d'Adam Sandler. Elle était peut-être pas loin du cinéma, quand même. À réessayer, à retenter. Je vais retenter. T'es surtout passé pas loin d'être un énorme lourd, mais bon, voilà, ça c'est. Énorme lourd, elle me connaît pas, je peux tenter ma chance, attends. La chance ? Votre chance ? Comme elle t'a dit, ça ne marche pas comme ça. Je suis partagé, parce qu'à la fois c'est du ouais, culot. Mais t'es pas un rêveur. Et à la fois c'est. T'es pas un rêveur. Non, c'est vrai, c'est du culot. Oui, et... c'est le moment où 30 ans plus tard, il fait, vous savez, ce mec-là, il a simplement appelé l'agence, il a demandé un rôle, j'ai fait banco. Malheureusement, il s'est réveillé. Et il est dans le récap. Tu l'as parlé avec ton accent français ?
Tu peux le faire? Of course, I would like a role. Non, j'ai pas parlé. j'ai dit, hello. Can I talk to Mr. Sandler? Voilà, I'm from France. I'm calling from France. Et je dis, bah voilà, j'ai eu la personne. Elle dit, I would like to have a little small part in a role. Elle m'a dit, bah ça marche pas comme ça. Voilà, j'ai dit, elle t'a répondu en français, tout à fait correct. Ça marche pas comme ça. Après, si elle t'avait dit, monsieur, ok, bah écoute, demain on tourne. Tu fais quoi? Quoi? Mais je fais ce qu'il me dit, je viens tout de suite à Los Angeles, je débarque tout de suite, mec. Avoir un rôle, même un petit truc de con, tu sais, le rôle d'un français dans ces films à la con, qui fait le français et tout, moi j'adorerais, ce serait. Moi je suis fan d'Alan Sandler. Faut rêver. T'as le droit de rêver, t'as le droit de rêver. Donc, j'imagine la meuf. Ah pourquoi pas, vous avez joué dans quel film déjà? De quoi? Ah oui, bah, Kellogg. Non mais attends, le mensonge, laisse-moi faire. Bah, j'ai fait Nesfusix, ça fait Kellogg. J'adore. Do you know the Matin? Attends, j'ai envoyé. Do you know Born Under X? I am a monkey under X. Non mais je lui envoie des trucs, mais tu sais, mon passage en Corée du Sud, je lui dis que j'ai tourné dans les films de Bong Joon-ho. Pas mal bossé. Enfin voilà, c'était pour ça. Donc je vous conseille, en tout cas, très très, très bon film. Deuxième film. Ouais, alors ça... revenir. C'est un petit jeu de mots même dessus. Oui, évidemment, ça s'appelle Man vs. Bee, et c'est avec Rowan Atkinson, qui jouait Mr. Bean. Donc j'ai appelé ça Mr. Bean. Oh, elle est violente. On peut arrêter l'émission sur ça. Salut, papi. Je crois qu'on s'est tout dit. On n'aura pas mieux aujourd'hui en termes d'humour. Yeah. I believe because I've been told. Ça me rappelle des grands moments. The army ring, the made of gold. Donc ouais, je vous lis évidemment le parce que j'ai découvert, j'y étais. J'y fus. Vous étiez à ce grand moment. J'ai vu le pitch. Alors, sa mort. Ce que j'ai vu, c'est Mr Bean qui est dans une maison qui se bat contre une abeille. Donc très bien. Du coup, oui, j'ai d'accord. Le pitch en français. Trevor est ravi et sait que l'argent du travail lui permet d'emmener sa petite fille en vacances. Il a juste un tout petit problème, une abeille. Le suivant absolument partout, Trevor commence à penser que l'abeille est là pour l'attraper. Et en 10 épisodes, non. Fait de son mieux pour tuer l'abeille. Voilà. Bien sûr, comme il s'agit d'une série comique, physique, Trevor finit par presque détruire la maison, causant des dommages irréparables dans le processus. Voilà. Donc en gros, c'est Mr Bean, le film. En gros, c'est comme la souris. La souris. J'aime bien Rizzo, il est là. La souris, c'est un super film où les deux mecs se battaient dans une maison pour virer une souris. En gros, c'est ça. À mon avis, il veut dégager absolument l'abeille et à mon avis, il se fracasse et il fout le bordel. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut. Moi, j'aime beaucoup Rowan Atkinson, évidemment. Il a fait Johnny English, hein, qui est quand même un film assez rigolo. Donc voilà. Mr Bean. Astérix. Donc voilà, c'est sûr. Ouais, en fait, ça peut être rigolo. Ce qui est dommage, c'est de voir que il retourne dans le truc qui a fait son succès. Enfin, tu vois, t'as envie de le voir un petit peu dans autre chose. Il a fait quoi, 4 matchs d'entraînement. Enfin, il a jamais fait de rôle, je crois, assez sérieux. Mr Bean, il est resté toujours. Ça rappelle un petit peu un épisode de Breaking Bad. Tu quand même. Mouche. Si, il a fait. Il a fait qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Non mais. Astérix. Bon, allez, Roche. Oui, j'y vais. Vous savez, aux États-Unis, en ce moment, ils ont un problème. Enfin, ça dure depuis un moment, mais là, c'était un peu rapproché avec les armes à feu. Oui. Il y a des mecs qui se baladent et tout. Et ils se croient dans voilà. Et donc, certains acteurs, enfin, certaines stars d'Hollywood ont décidé de réagir à leur manière en signant une sorte de lettre. Alors, franchement, j'y suis allé, c'est une sorte de Google Form. Et ils te disent, est-ce que vous êtes réalisateur, acteur? Non. Non. Moi, j'ai pas pu y aller. Mais en tout cas, pour essayer de promouvoir le fait que, si dans le milieu du cinéma, ils peuvent mettre à l'écran beaucoup moins d'enfants, notamment, enfin, d'enfants adolescents, de mineurs, avec des flingues, et bah peut-être que ça aura un effet positif sur les gens qui, de toute façon, pètent des câbles. C'est pas trop okay, que ça va. Okay. Voilà, donc en tout cas, ça a déjà été signé par 200 personnes. Tu peux balancer le petit tweet qui va illustrer ça. Donc c'est Mark Ruffalo, en l'occurrence, notre cher Hulk, qui voilà, donc ils ont déjà fait à Hollywood, donc le port de la ceinture sécurité, tabagisme, grossesse chez les adolescentes, égalité dans le mariage, étant de modéliser la sécurité des armes à feu. En vrai, je crois que ça reprend un petit peu le débat qu'il y avait eu à un moment donné sur la cigarette, où les gens voulaient arrêter. On voit des mecs fumer dans les films, l'écran, etc. Au cinéma, ouais. Ça, alors, donc, ça, c'est à la fois, les mecs, ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. À la ça fois, est-ce faire, que ça va être très ça utile pas, je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Moi, c'est vrai que quand je vois dans une scène qui n'est pas forcément... Il y a des marques de cigarettes qui ont payé des films pour que l'acteur principal fume pour rendre ça glamour. Il y a longtemps, tu vois. Hein, parce que... Mais du coup, effectivement, j'imagine que enlever ça d'une habitude visuelle peut avoir un impact.
appelle par exemple Sucker Punch où tu as des petites filles, tu as Léon par exemple, ou évidemment en film, grand film, si jamais Luc Besson à l'époque avait dit oula non, on va faire attention. Ah, du coup, ça va pas donner forcément. Tu vois, il n'y a pas que ça qui est touchy. Hein. Oui, c'est la relation aussi. Oui, d'accord. Bon, c'est autre chose. Mais ça reste un bon film. Ça reste un grand film. Ce qu'ils peuvent, les man. À défaut d'avoir des lois qui disent, en fait, on va arrêter. Ils font ça. D'accord, très bon. Et bon, qui peut nous influencer aussi, ce sont les publicités, celles qu'on voit dans la rue. On est exposé tout le temps à ça. Et c'est vrai qu'on les regarde plus vraiment. On a tellement l'habitude de les croiser que, à moins de tomber sur quelque chose de vraiment surprenant, on a tendance à plus vraiment la regarder. Tu la regardes encore, toi, les pubs? Dans le métro, c'est hyper impactant. Tu vois, franchement, ça. T'attends, t'as un truc énorme en face de toi. Moi, souvent, je regarde, mais je me dis. Je regarde vite, quoi. L'argent dépensé pour rien. Ah ouais, ah non. Jamais je vais faire ça. Enfin, jamais je vais aller sur Adéco ou je sais pas quoi, parce que j'ai vu de la pub dans le métro. Il y a plein de films que je découvre. Mais après, c'est mon cerveau qui. Ouais, parce que des fois, tu vois des applications ou des trucs comme ça, tu te dis, ah tiens. Pourquoi pas? Ça peut marcher. Les films, ça, ça le fait sûrement de façon inconsciente, mais en tout cas de façon consciente, jamais je me suis dit, oh putain, tu t'arrêtes devant. Ça te fait connaître une marque, ça, par contre, te l'amène dans le crâne. Ça te l'amène un peu dans le crâne, et puis en vrai, toi, t'es peut-être pas forcément la cible, mais il y a des gens qui vont être peut-être plus impactés par ça en mode. Pour moi, s'ils continuent de le faire, c'est que ça marche. Que ça fonctionne. Ah, évidemment. En tout cas, certains essaient de trouver des moyens de rendre les pubs plus impactantes, et on a de plus en plus d'écrans dans les transports. Bon, au Japon, ils ont des écrans. Allez, là, on est. Des écrans. Ah oui. Ah oui. Des écrans. Il y a un son avec ça ou pas? Petite pub Obi-Wan qui régale. Ah, évidemment. Ah, ils ont mis la max. Trono Tolostalos. Il y en a partout avec. Disney Plus. Des extraits de films. Onomaru Star Wars. Tu peux pas dire. Une série sur Disney Plus, j'étais pas au courant. Voilà. J'ai jamais entendu parler. Ça vaut plusieurs affiches. Mais belle utilisation d'un écran après, si long. Putain, gros. En Corée, c'est pareil. Hein, t'as des trucs comme ça. Si l'écran se pète, tu hurles quoi. Ah, je pense qu'il y a plusieurs écrans. Je pense pas que ça se pète. Hein. Bah, c'est un mur de LED, donc tu changes juste le bloc et terminé. C'est plein de petits. C'est des carrés qui doivent faire un mètre par un mètre. Comment tu veux qu'il le pète? Un mec avec une batte. Non, mais on est au Japon, les gens. On n'est pas contre la chapelle. Hein, donc, Non, mais ce que je dis, il y a un délinquant, il pète des trucs. Après, il n'y a pas une protection devant? Il doit y avoir quand même une protection devant, c'est pas un truc. Il balance pas le LED en mode ça y est, appuyez-vous dessus, c'est cassé. Ceci dit, je pense qu'il doit y avoir un mec. Un mec qui arrête les mecs. Regardez pas trop longtemps, Barry. Oh, j'ai vu. T'as regardé un peu trop longtemps, Jésus. Ah bah j'imagine toi avec ton gosse qui voulait pas que regarder d'écran ou quoi. Tu passes devant ça, t'es en mode Mais mec, on n'est pas dans un film d'horreur, je regarde l'écran, le mec il a les yeux qui font. J'ai juste orange mécanique. Il peut avoir un écran. Attends, c'est fini, il a 17 ans ton gosse là. Peut-être qu'il vive. Attends, il se fait 45 minutes de Miyazaki le samedi. Ah Attends, ça va. Attends, et puis voilà. On lui a déjà mis une petite. Pour revenir vite fait à ça, à la sortie de Star Wars 7, il y avait des métros, on avait vu passer un qui était vraiment tout brandé. Non, en France. Ligne 13. Ah oui, bah oui. Avait des métros full brandés avec justement le. À la station, Fast and Furious, je te rappelle, avec la voiture qui sort vraiment. Vous avez pas vu ça? La voiture qui est encastrée dans le mur. C'était, je sais pas quelle station, et c'était une campagne de pub de fou. Et après, il fait quoi la voiture? D'habitude, il y a Chris Rock qui est derrière moi. Et tous les voyageurs, ils mettent des baffes. Non, mais t'avais la voiture. Tiens, voilà, c'est ça. Oh là là. C'est d'accord. Ah ouais, mais c'est horrible. C'est stylé, tu vois. Comment la voiture a fait ce plateau? On dirait moi à gauche. Ils ont pris le métro avec. Enfin, c'est très chiant. On dirait moi à gauche qui prend une photo. C'est vrai. J'avais la même peu coup. Un mélange de toi et de Castex, quoi. Tu passais, franchement, c'est très stylé. Donc, quand c'est bien fait comme ça, ouais, franchement, ça peut être cool. Et moi, en vrai, une question que je vous pose. Parce que des fois, j'avais vu des pubs comme ça dans le métro arrachées. Ouais. Avec un slogan anti-pub de remerciez-nous, on a retiré la pub. Tu vois, t'as un petit malin qui a dit ça. Et j'étais en mode, en vrai. Enfin, qu'il y ait des pubs dans le métro, ça m'atteint pas forcément, mais je m'en fous. Enfin, en gros, si ça peut permettre de financer des trucs, ça me dérange pas d'avoir des pubs plutôt que rien. C'est ma question. C'est quoi la question? Est-ce que ça me gêne qu'il y ait des pubs? Oui, il y a des mecs qui pensent que ça rend service d'enlever les pubs et toi t'es en mode je m'en bats les couilles. Ah, bah non. Mais compris. Pour les mecs qui envoient qui retirent les messages politiques ou les trucs qu'ils peuvent avoir autres, mais oui, c'est plus d'un film. Le truc, c'est qu'en France encore, ça va, je trouve, les pubs. Tu vois, quand tu vois dans d'autres pays, là, c'est l'exemple, c'est parfait. Hein. Le Japon, j'ai jamais vu
autant de publicité au mètre carré dans les rues et tout. Chaque endroit, vraiment, ils ont dû calculer exactement. Ton œil, il voit tant de pixels, frérot. On prend 80%, sinon tu vas te faire. Et c'est impressionnant. Et partout, et ils sont forts sur ça aussi au Japon. Ils utilisent leur licence pour faire ça. Dans le métro, t'es là, il y a une petite télé et t'as Isabelle. C'est Marie, je crois, du coup, en français. Animal Crossing. Et genre, elle est dans le métro et puis elle vend des trucs, quoi. Genre, sur une petite télé, machin. Et en fait, ils utilisaient leur licence pour justement faire de la publicité super agressive, quoi, là-bas. Il y a vraiment une pollution visuelle qui est impressionnante. Alors, c'est vrai que nous, à notre niveau ici, je trouve que ça va. Que globalement, la pub, franchement. Nous, tout ce qui est agencement d'images, de couleurs, de textes. C'est plutôt équilibré, c'est plutôt harmonieux. On essaie de ne pas en mettre partout pour ne pas se surcharger visuellement. Alors qu'à l'inverse, les affichages japonais, typiquement, quand tu regardes dans les magazines, il y en a partout, dans tous les sens, avec des textes en oblique, écrits en gros, avec une couleur, un contour, un contour sur le contour. Enfin, ça pète de partout, c'est assez violent visuellement, c'est sûr. On parlait de Star Wars, il y a un mec qui s'est fait chier à pimper sa moto. Ok. Ah, le mec est chaud. C'est du cosplay de moto, franchement, le mec est chaud. Ah ouais, j'ai vu. Oh, c'est stylé. C'est joli. Wow. Avec le petit miroir en bas des roues qui donne un peu l'impression que du coup, il n'y a rien. Oui, d'accord, avec une flotte, ouais. C'est légal par contre ? Bon, c'est une moto, t'es aux États-Unis, hein, j'imagine, donc aux États-Unis. Tout est légal. Non, mais si c'est juste un truc qui est par-dessus sa moto. C'est custom. Ouais, mais là, on voit pas sa plaque d'immatriculation. C'est touche, hein. Ah, ouais. Gros, c'est les États-Unis d'Amérique du Nord. Les statesses. Ah non, y a pas la vignette d'assurance, là. C'est. Y a pas le CT, contrôle technique, pour les non-initiés. Pas le droit d'acheter des Kinder Surprise, par contre. Tu peux rouler. Mais bon, après, y a pas de plaque d'immatriculation. Par contre, si tu dis, bon, alors là, j'ai. C'est qui c'est le Mandalorian, le mec là, c'est Mando ou Boba, je sais pas. Un Mando là qui est en train d'avancer. D'accord, c'est quoi la plaque? Bah, il y en a qu'un seul, connard. Donc tu devrais pouvoir le retrouver. pas trop compliqué. Jiraya. Oui, effectivement, on parle de moyens de locomotion, de divertissement. Est-ce que vous aimez le patin à roulettes slash roller ici? Ouais, j'adore ça. Ah bah, vous voulez voir la gueule que ça avait en 1912? 1912. Ah ouais, mon pote. J'y étais. Regarde-moi ça. Oh la vache. Et c'est un peu, ça me fait penser plus que des rollers, etc. Ou la roue là, one wheel, one man, la Giro, one cup. Il a un petit niveau. Et regarde, à la fin, petite randonnée et on part. Allez les gars, petite sortie de ski. Ils sont stylés. En vrai, je te jure que premier degré, j'ai envie de tester ça plutôt que les rollers. Ça a l'air trop bien. C'est moi, j'ai l'impression que c'est moins casse-gueule. Ouais. Que, pour moi, si ça a pas duré, c'est qu'à mon avis. Si ça a pas duré, c'est que tous les mecs qu'on a vus déjà, je pense, ils sont morts. Déjà, après, en 1912, ils ont un truc en métal attaché au pied pour que la roue ne touche pas la jambe. Comment tu t'arrêtes? Très bonne question. Tu inclines un des pieds. Il y a un des pieds que tu mets à terre. Oui. Non, ok. Quand tu t'arrêtes, d'accord. Comment tu poses le pied? Comme ça, tu inclines. Tu inclines sur le côté. Faut que tu t'assoies et faut que tu enlèves la pompe. Après, comme des rollers. La roue, elle est surélevée. Les rollers, tu sais, tu dois juste lever, mais il y a le frein qui est derrière. Donc, je sais pas si c'est la même chose. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est moins. J'ai l'impression qu'il n'y a pas. Effectivement, c'est comme en vélo, tu sais, quand tu avais la roue qui était comme as, je peux te dire que. Par contre, vu que tu as. T'as une roue de chaque côté et pas des deux. Je pense que le moindre écart, c'est ta jambe. Clic, 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 clac. On voyage très, très vite. Ça peut aller très vite, effectivement. Rofelos. Oui, Rofelos. C'est moi, c'est ça. On a parlé effectivement de robe. Est-ce que vous vous rappelez... Robe de fêtresse qu'on embrasse, pas du tout. Est-ce que vous vous rappelez du Met Gala avec ce que portait Kim Kardashian? Ah, voilà. Oui, ils avaient les pires trucs, là, je crois. Ah ouais, sauf qu'elle, en fait, elle avait juste... Ah ouais, truc de Marilyn Monroe. Qui était assez simple, entre guillemets. Qu'elle a, sauf que certains déformés. Et bah, alors, peut-être, mais en tout cas, donc elle a... Alors, pour information, il y avait donc une personne qui a acheté cette robe. Je crois que c'est record du monde de vente de robes. Je crois que c'est 4,6 ou 4,8 milliards... millions. Ouais. De dollars, voilà, d'euros. Les chiffres, ouais, c'est déjà bien, c'est déjà bien. 4 millions, tu peux quand même acheter une belle maison. Hein, acheter une belle maison. Donc, à la base, cette robe-là était dans un musée et ils ont dit, ah, mais attends, trop bien, vas-y, on va la mettre, du coup, sur Kim Kardashian. Kim Kardashian a dû faire un régime drastique, donc même dangereux, pour pouvoir rentrer dedans, parce qu'il ne pouvait pas trop, du coup, l'abîmer. Et au final, eh bien, y a un des mecs qui a été fan de la robe, notamment, j'imagine,
un collectionneur quoi, qui dit ouais, alors excusez-moi, mais en fait, il manque bah, des bijoux, c'est dégueulasse, bref, bah, t'as ruiné la robe en fait. Et la, ah et la personne, alors qui a l'air d'être un peu un fan du truc, parce que bon, moi, personnellement. Ça s'appelle Marilyn Monroe Collect, hein, quand même. Ah, donc les gars, il est ouais, qu'est-ce que vous dites de ça, c'est horrible. Et c'est vrai que c'était une pièce, déjà à l'époque, ça faisait un petit peu grand bruit, parce que c'est quand même une pièce de musée en fait. Et quand tu dénatures attends, comme ça, une pièce moi, de moi, musée. Moi, ce que je comprends pas, c'est une pièce de musée, c'était une. Une robe qui appartenait effectivement à Marilyn Monroe avant, c'est ça ? Oui, c'est, en fait, et c'est du coup, qui a... quelqu'un l'a racheté 4 millions et ouais. l'a foutu dans un musée. Ouais. Et du coup, ils ont sorti la robe du musée pour la mettre sur Kim Kardashian. Ouais. Et pourquoi ? Avec l'accord, évidemment, de la propriétaire, parce qu'il n'y a pas de raison, et ben, ils ont dit, bah, cette pièce-là, on va faire ça parce que le principe du Met Gala, c'est d'arriver avec la tenue la plus waouh. Et là, la tenue n'est pas un mec, insane en elle-même a... par rapport au truc qu'on a vu, a mais elle a une histoire. Et du coup, on peut dire, tu vois. C'est quoi ? Il y a un problème de gabarit. Ça fait péter les... Si je peux dire, tu vois. Certaines proportions, bien gardées. Marie Monroe et c'est pas le même, tu vois. Donc, ouais, les mecs, ils ne sont pas dit... Pas le même physique. Pas le même physique. Mais est-ce que la propriétaire s'est plaint ? La propriétaire, a priori, toujours pas. Mais en plus, Kim, elle a dû lâcher des billets, frère. Et même, il disait qu'il y avait toujours... quelqu'un qui était du coup responsable un peu de la robe et qui la suivait de près en disant attention là vous pouvez pas vous asseoir aller aux toilettes machin, enfin bref c'était un enfer quoi. Quel enfer. Et bon, en fait je pense que ce genre de pièce tu le laisses bien dans un musée, tu viens avec ta robe avec du jambon ou je sais pas trop quelle connerie. Avec du jambon. Au pire tu refais juste la robe quoi. Oui, en fait, tu fais une reproduction. Non, mais il a raison. Ouais, vraiment, c'est que ça, tu fais une reproduction. C'est celle qui a servi à faire Monsieur le Président. Enfin, tu sais, la chanson. Happy. Oh, Marilyn. Oh, mais t'as une Marilyn, toi. De fou. Monsieur le Président. Damn, les gens. Faites-moi. Et j'espère que vous allez bien. Levez-nous. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien, je suis un petit geek. Et on va faire un défi au McDonald's. Il me tue, celui-là. Alors, j'ai enculé la bonnette. Hein. Vas-y, enlève la bonnette. J'enlève la bonnette. Vas-y, remets la bonnette. Remets la bonnette. On t'écoute. Ouais, merci à toi. Oh. Allez, Genius. C'est moi, oui. Vous connaissez tous Jay-Z. C'est quoi ? Oui. Ouais. Bonheur. Jay-Z, voilà, bah, il est de 16 billes. Bah, c'était mignon, enfin mignon pour la moitié en tout cas, parce qu'il était à un match de basket avec sa fille. Donc, comme le tweet le dit, tout le monde aurait voulu être avec Jay-Z. Ouais. Sauf sa fille, qui malheureusement est très gênée, regarde. Hey, salut chérie, t'as vu comme je suis content. Passe pas, lâche-moi s'il te plaît. Donc voilà, très gênée. Donc voilà, en gros, là, qui est hyper content. Non, mais c'est mignon, mais, c'est juste que la fille, bon, c'est l'ado, etc. Mais je trouve que Jay-Z est trop mignon. Regarde, après, regarde, il prend la main, genre, non, papa, s'il te plaît. Je vais pas te mentir, je ne rêve pas d'être avec Jay-Z. Hein. Non, mais pas toi peut-être, mais il y a plein de gens qui sont fans de Jay-Z. T'as dit tout le monde et ça m'énerve. Ah, t'as dit. T'as pas dedans, pour moi, t'es pas tout le monde. Oui, belle branche. Elle est belle, hein. Bien, très belle. Donc voilà, je trouve ça mignon. La fille de Beyoncé, du coup. Oui, c'est bien. D'ailleurs, elle lui ressemble de fou. Il y a quelque chose. Hein? Bien joué. Il y a quelque chose, bah c'est le but des parents en fait. Hein, ça s'appelle une reproduction. Ça semble être le bon lancer de la naissance. La loi de la vie. Effectivement. C'est malin. Hier, il y avait un match de foot très important. Ouais. Lequel ? Ouais. Bah, le match de France. Bon, ça c'était vraiment pas important. En plus, on s'est fait gifler. On s'est fait défoncer. Je sais pas dans qui. Parce que c'est pas avec l'Australie, mon cher Xavier. Exact. T'es bon toi. Oh, c'est putain, mais il connaît. Il y avait le match de barrage. Ah oui, ok. Le match de barrage entre l'Australie et le Pérou, celui qui remportait la victoire, et bien était qualifié à la Coupe du Monde. Ah. Et le Pérou pour que tout le monde puisse regarder le match, a décrété un jour férié, voilà, et ils ont perdu. Ah oh non voilà, hier c'était férié pour les fonctionnaires, hein, donc parce qu'ils s'y sont dit bon bah ils vont regarder le match, donc foutu pour foutu. Et c'est allé jusqu'au tir au but et le gardien australien il a fait. Justement, j'ai récupéré donc les images. Oh où, en fait, mettons que t'es en finale, tu vois, tir au but, etc. Comment tu fais ? Soit tu restes implacable, tu vois, t'es en mode ok, je me concentre. Soit bah, tu fais le malin pour essayer de déstabiliser un peu l'adversaire. Et visiblement, ça a fonctionné derrière. Là, bien. Ok, là, tranquille. Et là, attention. Hop là. Ah ouais, bah ça. On s'accroche. Allez où ? À gauche, à droite. Hop, je me baisse. Tac, et. Et bim ! Et là, tu vas voir après. Il est en mode. Ah, les Australiens. On les refait pas. Il a une trop bonne tête. Il a l'air trop sympa, le mec. Voilà. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Hein. C'est un peu sa spéciale, quoi. Ah, c'est sa spéciale ? Si c'est autorisé, c'est autorisé. Bah, en vrai, donc tu fais pas d'injure ou quoi que ce soit. Bah, du coup, non, t'as le droit. Parce que du coup, ils ont perdu, mais ils se sont pas fait biffler, quoi.
Non, ça fait. Alors, au tir au but, c'est quasiment une égalité. C'est... Ah oui, mais en fait, là, c'est l'enjeu qui est important, c'est pas la manière. Ah, mais j'entends bien. Juste, c'est triste. Ils ont perdu. Mais t'as au moins le plaisir de dire on s'est pas fait détruire nos mères. On s'est pas fait ridiculiser alors qu'on a mis un Jean Farrier, quoi. Je vous propose qu'on fasse une pause. Oh. Mais non. Oh là, mais t'es tellement bien parti pourtant. Je vous propose. Bon. Oh non. Qu'on fasse le quiz. Oh oui, oh, le quiz. Oh là là. On est bien. Oui, on est de retour, mesdames et messieurs. C'est extraordinaire ce qui se passe. Nous sommes partis pour le quiz du mardi. Aujourd'hui, pas de Erwan, mais un Rofelos qui vient à l'esprit vengeur. Il vous manque, il nous manque. Parce que la dernière fois, c'était Kata. Je dirais pas que c'était Kata, on pouvait dire que c'était immonde. Mais non. C'est juste l'esprit canal. L'esprit canal, ça t'a émugué. Il était très dur. Allez, je crois qu'il y a un numéro 2, s'il y a un numéro 3, je te laisse. Moi, je l'ai... Ah non, parce que le 1, je l'ai pas. Je laisserai avec quelqu'un. Ouais, toi, t'avais abusé sur le 1. Le 2, c'était pas sa faute, c'était vraiment dur. Donc, oui, effectivement. Moi, si j'avais pris France 3, je peux prendre mes canaux. France 3, c'est compliqué. On verra. En tout c'est cas, bon. Encore une fois, vous avez vos buzzers. Est-ce que tout fonctionne? Ça m'a l'air d'être bon. Non. Ouais, non. Du coup, on fait bien de tester. Alors, on reset. Ouais, ça marche. Ça marche. Ça marche. Le rire. Bonjour, je m'appelle Olivier, je travaille à Magic Corporation. Oh, il le fait bien. Ah bah, vraiment le groupe le plus fort. What a play back. On est pas que t'as métier, hein. T'as la même voix du mec. Okay. Vous pouvez lancer le bet effectivement dans le chat. Est-ce que Max pourra encore une fois une cote à 69 cette semaine? Ce serait hyper. Sachant que la semaine dernière, sache que Étienne nous avait régalé, nous avait mis des thèmes juste pour nous. Ouais, genre le perso que j'ai vu que tu faisais genre du 20 plus. Là, j'ai fait bah oui, bien joué. Et là, je peux te dire que cette semaine, il vous a moins régalé. Alors, on est parti pour question sélection rapidité. Ça va très vite. Que veut faire? Bonjour, R-O-F. Je m'appelle Olivier, je travaille à Magic Corporation. Vers quoi? Me raser le crâne. ROF Rof avec ses cheveux très bientôt, se raser le crâne, c'est une excellente réponse. ROF, c'est très, très bon. Je vais le faire. Tout va très très vite, qu'est-ce que j'ai reçu? Une table de tennis de table. Ouais, c'était bien ça, une table de ping-pong. T'as entendu C'était mon truc. Ah merde. C'était là-bas. Oh putain, mais j'ai appuyé à entendu le il avait pas la réponse. Je la donne à Max. Ah bon, c'est gentil. Généreux. Et je décide aujourd'hui. Bah, on appuie avant. Et tu seras dernier. En sachant la suite, c'est Clary. Oui, hey, on rigole un peu. Oh. Quel type de live ai-je fait hier soir? Hot Hub. Je l'accepte pas, tu l'as mal prononcé. Et surtout, il y a encore un truc de ouais, il y a eu les deux en même temps. C'est un pivot, ça nous a bait, ça nous a mis mal. Après, je pense que c'est Xavier passé, je m'en fous. Ça peut arriver, mais aujourd'hui, pour leur défense, c'est les tablettes qui ont du mal. Elles laguent un petit peu. Non, c'est pas leur meilleur. On désactive les buzzers pour que vous arrêtiez de me faire chier. Et nous avons notre ordre établi qui est comme. Rofelos va pouvoir commencer. C'est parti, les têtes. Nous avons Thierry Henry, les jouets de notre enfance. Le cinéma hors USAFR. Claude célèbre. Harrison Ford. Autour des fast-foods, syllabes doublées et le quiz. Il y a deux synonymes. Mystère. Et là, je lis les indices Menro et je me dis, mais Menro est vraiment un strobo. Je crois qu'il y a du cinéma, gros. Oh la vache, ouais, il est bon partout. Écoute, il n'y a que deux ciné. La première fois que j'avais un peu brillé parce qu'il y avait un thème un peu boomer, je vais donc prendre le thème boomer du jour, les jouets de notre enfance. Oh, et tu sais mal, que tu me fais extrêmement est-ce plaisir. Est-ce que je streak Alors, par contre, avant de me streak ou pas, je t'indique je le petit pas la indice. Lumière. Ah, pardon. Oh là, ça va. Excuse-moi de t'adresser à toi. Rizzo, la pétale. Je t'aime, t'en vas courant, fils de pute. Il a des choses à régler. Merde. Ouais, non, ça va, il est énervé aujourd'hui, Rizzo. Vas-y, dis-moi. Les jouets de notre enfance, le petit indice, c'est époque 90-2000. Ça me va. Ça te va? Ça me va clairement et je vais pas faire la strat Xav, je vais prendre la strik. Tu vas striker, ok. Menro, à votre avis, il a fait combien? C'est pas trop sa gêne. Je pense qu'il a fait 8. 7. Il a fait 8, un peu moins. 6. Superbe. 6. Ah bon? Oh là là. Donc oui, on s'attendait à mieux. Il a peut-être pas eu d'enfance. Et aussi, il était de la génération un tout petit peu avant. Mm-hmm. Oh, tu peux enlever le un tout le petit Moyen-Âge. Il joue en bois, qui est construisé lui-même. Un... On est non, parti pour toi, okay, mon petit Rof. Concentre-toi, tu sais que tu es bon. D'ailleurs, attends, avant que je te dise quoi que ce soit, je regarde les bêtes. Xari, encore une fois, premier. Ouais, Max Hildan, 7%, but cote à 14,6. Pas mal. Et entre Genius et moi, du coup Entre Genius et toi, tu es donné gagnant de 20. Tu as 18% et Genius est à 11%, 64% pour Xavier. J'ai fait la semaine dernière. Il n'y a plus rien. Ils n'ont pas regardé les thèmes parce que là, Harrison Ford.
Il fait le faux modeste, on le connaît. Je donne Genius gagnant aujourd'hui. Ouais. Donc, beaucoup de cinéma. C'est vrai. Oui. Beaucoup de cinéma. Deux cinémas et personne n'a envie de le prendre. Donc, non, parce que c'est parce qu'il y a ciné que je vais briller. Hein. Bon, Harrison Ford, en plus, tu le connais bien. Calmez-vous. Les gars, attends, on est là pour jouer. Rob, t'es capable d'un. T'es capable d'un. T'es capable d'un. Allez, on Il se strique la gueule. 3, 2, 1, c'est parti. Quel jouet électronique japonais consistait à stimuler l'éducation d'un animal de compagnie virtuel? Un Tamagotchi. C'est une bonne réponse. Quel jouet au design et à la crinière multicolore pourrait-on appeler synonymement mon chétif équidé? Mon petit poney. C'est une bonne réponse. Quel objet à l'effigie de personnage pop permettait de recevoir un bonbon lorsque l'on penchait la tête du personnage en arrière? Des pèses. Effectivement. Oh là là. Quelle partie du corps pouvait mettre la peluche Kiki dans sa bouche? Son pouce. Oui. Effectivement. Oui. Quel était le nom des jouets en forme de petits monstres descendant des osselets qu'il fallait lancer le plus près possible d'un mur sans y toucher? Les Jojos. C'est une excellente réponse. Quel jouet robotique sous forme de peluche de hibou ressemblant aux gremlins devait être considéré comme un animal de compagnie virtuel? On les a tous eus. Furby. Oui, c'est ma réponse. Comment s'appelait l'ennemi d'Action Man? Ah oui. Action Man, le plus grand de tous les héros. Oh non, le plus grand de tous les héros. Action Man, le plus grand de tous les héros. Il avait, en plus, il était chauve et tout, là. Eh oui. Je regarde, j'analyse, je me lance. Docteur X. Oui, c'est une bonne réponse. Quelles sont les deux couleurs centrales d'un tapis de Twister? Ah, pas cadeau. Rouge et... Perdu. Comment sont nommés les crayons créés par Lancey dans lesquels il fallait souffler pour dessiner, projeter la couleur sur un pochoir? Et souffler, ça sent, bah. Tu les as, les trucs. Proskea, non. Ah, non, pas du tout. Comment s'appelaient les bracelets multicolores en forme de ressort que l'on pouvait également faire dévaler des escaliers marche par marche? Il ressort, là. C'est un nom. Les ressorts. Les ressorts de la fête foraine, moi, j'appelais ça. Ouais, les ressorts. Dinus, tu l'avais? Tu dis si on te fait chier, Rangin. Je vais dire une chenille. Non. C'était les bracelets Slinkies. Ah ouais, non, j'avais pas. Et aucun regret, je pense. J'avais pas, parce j'avais que c'était pas. Pas évident. Non, c'est quoi déjà ça, les. Vous l'avez pas. Alors ça, vous savez que. C'est pas les anecdotes, ça m'a traumatisé quand j'étais gamin parce que j'avais une dent qui bougeait. Pourquoi? En fait, tu. Pardon. Ça projetait. Tu soufflais, ça projetait ton encre, et après avec des pochoirs. Il y avait un peu dans ce temps-là. Le spirogramme était des trucs à la main. Ça, c'était les Blow Pens. Ah ouais. Ah oui, souffle pens. Et ça, ça m'a traumatisé parce qu'il y avait une dent qui bougeait. Et à un moment, je le prends et je fais ça et je me pète la dent dans ma bouche avec du sang partout. Et depuis, gros. Une dent de lait ou une vraie dent? Non, une vraie dent. Ah. Non, une dent de lait. Non, heureusement. Le plan de lait est tombé. Effectivement. Et les deux couleurs au milieu du tapis. Du coup, je vais dire vert et jaune. C'est superbe. C'est pas bleu et blanc? C'est bleu et blanc, effectivement. Malheureusement, pour toi. En fait, mais il y en a trois. Des fois, il y a rouge. Il y en a trois. C'était bleu et jaune, par contre. Quoi? C'était bleu et jaune. Ah! Ça peut pas être blanc. Il n'y a pas de blanc, blanc puisque c'est la couleur du. Il n'y a pas de blanc, c'est le front qui est blanc. Mais c'était pour moi, oui, mais Twister en France, le reste. Non, c'est vrai que quand tu es campé à Boston, c'est bien tenté, c'est bien tenté. Belle manche. Tu fais un 7 et donc tu valides tout. C'est très bon. 7 plus 3, on est à 10 points pour notre. Le docteur X, il était bon celui-là. Et le docteur X qui met très bien pour valider les 2 points supplémentaires. Quiz mystère. Oh putain! Allez, je veux dire, attends, ne l'affichez pas. Quiz mystère, Max, je te le dis droit dans les yeux, c'est la plus belle chose qui pouvait t'arriver aujourd'hui. Oh merde, non, mais je le dis premier degré. Parce que du coup, attends, ne l'affichez pas. Tu sais combien a fait Menro? 2. Et c'est une excellente réponse. Non. Et il a fait 2 parce que le quiz mystère cette semaine, c'est. Max Hildan dans les âges. Non. Dans les âges. Les applis déjà présentes sur iPhone. Pas mal. C'est un thème à ta portée, Max. C'est vrai qu'il est dans le mobile. C'est vrai qu'il a des mobiles. Et c'est vrai qu'il utilise de l'iPhone. Donc, honnêtement, t'as une belle connaissance. On te met aucune pression. Je vais donc prendre. Tu prends la streak. Il prend la streak, mesdames et messieurs. Et tous ceux qui ont voté Max Hildan aujourd'hui qui peuvent peut-être régaler avec ce premier clutch. Attention, 3, 2, 1. Comment se nomme l'application permettant d'en télécharger de nouvelles? L'App Store. Mais bien sûr. Quel dessin représente l'application Safari? Safari, une boussole. C'est une bonne réponse. Combien d'applications est-il possible de mettre au maximum dans la barre de raccourci située en bas de l'écran? C'est une bonne réponse. À 5 minutes près, quelle heure indique le logo de l'application horloge? Attard. La merde comme question. Je sais pas, 21h. Non, je ne peux pas l'accepter. Que faut-il faire pour transformer la calculatrice de l'iPhone en calculatrice intelligente et ainsi débloquer toutes les fonctionnalités? Tournez-le. C'est une bonne réponse. Quelle est la seconde fonctionnalité de l'appli Mesure? Je
Quelle est la couleur qui prédomine sur le logo de l'application localisée? Bah, vert. C'est une bonne réponse. Dans quel coin se situe le cœur sur le logo de l'application santé? Dans quel coin se situe? Dans quel coin se situe le cœur? Il y a un cœur sur le coin de quel coin? En bas à droite. C'est une mauvaise réponse. Quelle application se situe tout en haut à gauche de l'écran lorsque l'iPhone possède les configurations de base? Réglage. C'est une mauvaise réponse. Dans le minuteur, quel est le nom de la sonnerie de base qui avertit lorsque le temps est écoulé? Rien, le nom de la sonnerie. On commence à 5 minutes près. Quelle est l'heure qu'indique le logo de l'application horloge? Je sais pas, 3h. C'est une mauvaise réponse. Quelle est la seconde fonctionnalité de l'appli mesure? Le peser. C'est une mauvaise réponse. Hop là, sur le droit. Je l'accepte en haut à droite et maintenant sur la fin. Vraiment, les questions. En gros, après, c'est l'iPhone quand il sort de la boîte, il est comment? Bah ouais, mais c'est ça. Bah, c'était le test. Déjà présent. Déjà présent. C'est pour ça que c'était Mifig Mireza et c'est pour ça que Manro a fait 2. Après, tout que. Alors attends, parce que sur le chat, les gens disent que honnêtement c'était quand même assez dur. Juste pour l'heure. L'horloge, attends, laisse-moi. C'est pas un truc comme ça, du coup, ça c'est pas juste l'heure. C'est l'heure, exactement. C'est l'heure à l'instant T, c'est tout. Et en fait, ce qui le baisse, c'est parce que la question est posée à 5 minutes près. Et je pense que c'est ça. Etienne. Tu veux que je te dise, t'as raison, t'as un connard. T'as bien raison. Tu vois, j'espère que tu passes de là. On n'est pas là. Je vais te dire un truc. Après, t'as fait 6 trucs. Ça dégoûte parce que j'ai même pas le. Tu sais, je suis même pas en mode ah, je suis une merde. Je suis juste en mode bah non, les questions étaient infâmes, tu vois. Ouais, alors effectivement. Je préfère m'en vouloir à moi, tu vois. L'heure à l'instant T, la seconde fonctionnalité de l'appli mesure. C'était quoi? Un truc tout con. C'est pas le niveau. C'est les niveaux, ouais. Exactement. Ça, c'est parce que ça, c'est. Pourquoi toi? Non, mais c'est parce que ça existe dans tous les trucs de mesure. Dans quel coin se situe le cœur sur le logo de l'application santé? On l'a fait miser en haut à droite. Mais comment ça, il y a une appli santé sur iPhone? C'est quoi? En fait, c'est un carré blanc et il y a un petit cœur quelque part. Mais qu'est-ce que j'en sais? Oui, mais ça fait quoi l'appli? C'est pour la santé. Ah, ben ça prend toutes tes données de santé, genre. Tout ce que récupère ta montre, tout ce que c'est ton téléphone, du fait que tu marches, du fait que tu dors à côté, etc. Il a tout un tas d'infos. Et pareil, ça sert que si tu as un accident, eh bien les urgences, ils ont juste à appuyer deux fois sur le truc et ils ont toutes tes infos de santé pour savoir ton groupe sanguin, etc. Quelle application se situe tout en haut à gauche de l'écran lorsque l'iPhone possède des configurations de base? Bah, là, j'avoue. Salut les gars, ça va? FaceTime. Oh non, mais... Oui, bah ouais, mais... Impossible de savoir. Je vais dire quelque chose, Maxime. Et dans le minuteur, quel est le nom de la sonnerie de base qui avertit lorsque le temps est écoulé? Alors ça, c'est... Réveil, dring, jingle quelque chose. Rappel. Jingle bells. Et radar. Radar. Ah ouais, mais oui, ça l'a connu. Pou. Non, c'est pas ça. C'est Mario, ça. On est passé à côté d'un acte manqué quand même, parce que je voyais bien Genius faire « Allez, le quiz mystère !» Aucun risque. Par contre, vraiment, quiz mystère, je pense que je faisais 3. Moi, j'ai eu la police une fois. Donc, et Max fait 6, il s'en sort bien. Ouais. Après, il pas de streak et tout. C'est... Ah, ça 6 sur le mystère, je suis désolé, c'est très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où le mystère n'est pas forcément plus dur? Il est juste mystère. Oui, il suffit d'avoir le bon. Xavi, c'est à toi. Allez. Non, c'est à Genius. Non. Bah, si. J'ai envie de te le donner. Non, c'est à toi. ça change pas parce que de toute façon, il va prendre le cinéma ou Harrison Ford. Non, il a un Thierry Henry. J'en ai trop. Tu prends Thierry Henry. Oh, allez, c'est Thierry Henry. De dépannage. Après, en vrai, si t'en as un autre, prends pas ciné maintenant parce que personne va prendre. Si, ils vont les faire. Non, parce que Max, cinéma, c'est hors US et FR, les gars. Alors, je vous dis tout de suite, par contre, Harrison Ford, je connais la moitié, donc je vais prendre Harrison Ford. Tu vas avoir le droit à Corée, Espagne, etc. Oui, mais je sors d'ici, mec. Je sors d'ici. Des trucs connus, non? Je connais, mais. Tu vas avoir Parasite, Penelope Cruz. Ah non, mais. Oh, il va péter. Non, c'est Harrison Ford. Harrison Ford, le créateur du Fordisme. C'est vrai? Attends, est-ce qu'il nous a pas fait une spéciale piège sous les quiz? Tu te souviens de Joko? Non, par contre, c'est ça, je le prends pas. Non, c'est vrai. C'est trop tard. Non, je le prends pas. Alors c'est Harrison Ford, l'acteur de cinéma muet décédé en 1957. Ah, c'est non, je prends. Non, mais je prends pas. C'est une blague. Je vous jure que c'est vrai, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Mais du coup, il peut pas mettre un point? Non, mais peut-être que si. Attends, c'était rigolo une fois. Je crois la vanne. Non, mais d'accord, je vais pas me réénerver. Mais. Norman. Non, mais je vais pas. Norman. Il y a rien à gagner. Oui, rappelle-toi pourquoi tu es là. Hé, Norman. Tu veux savoir combien a fait Manro? Bah, il était de cette époque, mais je sais pas, il est combien? Il a fait 8, gros.
Combien ça, je peux, donne-moi cinéma. Tu peux pas, il est grisé, on est obligé de partir. Vas-y, là-dessus. Bah, donne Harrison Ford, pas de soucis, vas-y. Franchement, non. Mais Janus, regarde-moi dans les yeux. Ouais. Janus, ça dégoûte. C'est pas une vanne, hein, c'est vraiment ça. Donc, voilà. Moi, je suis là pour m'amuser. Mais on est là pour s'amuser, et sache que personne peut te juger, à part le fait que tu es expert en cinéma muet. Ça se trouve. Ça peut être un truc très simple. Franchement, vas-y, franchement, on est là pour s'amuser. C'est non, vraiment, c'est extraordinaire. Et Janus, n'oublie pas, tu es un génie. Bah, attends, on est là pour s'amuser. Bien sûr. Didi, il s'est levé, il est parti. Est-ce que tu prends la streak? Non. Non, respectons-nous. On est parti. Il y a deux autres thèmes que je fais. Prépare-toi et écoute bien les questions, je t'en prie. On est parti. 3, 2, 1. De quel autre acteur américain est-il l'homonyme? Harrison Ford. C'est une bonne réponse. Dans quelle ville de la côte ouest, réputée pour accueillir les plus gros tournages de cinéma américain, est-il décédé? Bah, Hollywood. La ville. Enfin, la ville. Los Angeles. Oui, c'est une bonne réponse. Qu'a-t-on pu entendre de sa part une seule fois au cinéma dans le film Love in High Gear, sorti en 1932? Bonjour. Bah, sa voix, quoi, c'est une bonne réponse, j'accepte, parce que vraiment, au niveau où on en est. Que lui a-t-il été dédié devant le restaurant Musso et Frank Grill sur Hollywood Boulevard? L'étoile. C'est une bonne réponse. De quelle nationalité était-il? Américain. C'est une bonne réponse. Américain. Dans quel arrondissement de Manhattan, considéré comme le lieu du théâtre américain, a-t-il débuté sa carrière? C'est une bonne réponse. Quel est le nom de son personnage dans le film L'amour joue et gagne, portant le même nom qu'Orlando Bloom dans Pirates des Caraïbes? James Malavoine. C'est une mauvaise réponse. En 1900, quel événement mondial a eu lieu à Paris durant 212 jours, année où Harrison Ford débuta sa carrière au théâtre? Événement mondial. Tu l'as. Allez, sur la décale. C'est une mauvaise réponse. Dans quel état du Midwest, se partageant la ville de Kansas City avec l'état du Kansas, est-il né? Tu l'as. Kansas. Memphis. Oh non, dommage. Quel rôle ecclésiastique incarnait-il dans le film Shadow, où il était à l'affiche avec la célèbre Marguerite de la Motte? Quel rôle? Ouais, quel rôle de quoi? Il faisait quoi? Ecclésiastique. Ecclésiastique, quoi. Sur 4, quoi. C'est quoi déjà? C'est quoi déjà? C'est un pape, un cardinal, c'est pas, c'est ça, un prêtre. Ouais. C'est il joue un abbé. Et c'était un pasteur. Ah, dommage. Très bien. Tu t'en es bien. J'ai joué le jeu, je me suis pas énervé. Je... Tu peux pas t'énerver alors, avec 6 points. Rizzo m'a calmé. Tu peux pas t'énerver avec 6 points et surtout, toutes les réponses sont dans les questions. Oui, oui. Et c'est là où il a été fort, Étienne, on l'embrasse pour cette écriture. Effectivement, alors, jusqu'à mon tour, c'était bon. Non. On l'embrasse. Alors, on l'embrasse vu que c'est son dernier quiz. Quel est le nom de son personnage dans le film L'amour joue et gagne, portant le même nom Orlando Bloom dans Pirates des Caraïbes? Ah, son même ça, je savais pas. C'est quoi son nom dans le film? C'est pas Tucker, comment il s'appelle? Oui, hein. James Tucker. Non. Turner. C'était Turner, effectivement. En 1900, quel événement mondial a eu lieu à Paris? L'exposition universelle. L'exposition universelle. Effectivement. Mais le Festival du Cannes, 5 ans après l'invention du cinéma, c'est un peu tôt. Et surtout à Paris. Tout va très vite. Le Festival de Cannes à Paris. Dans quel état du Midwest, se partageant la ville de Kansas City avec l'état du Kansas, est-il né? Nevada. Missouri. Ah, Missouri, putain. Je pensais que t'allais l'avoir, ta spéciale. En plus, j'aurais pu le savoir. Et le passeport pour terminer. Honnêtement, pas mal, t'as gardé ta streak, 6 points. Écoute, pas minable. Ouais. Non, c'est con parce qu'il y a deux thèmes que j'aime bien. J'aurais pu me diriger sur ces deux thèmes, mais franchement. Peut-être. La pas de regret. Il manque que tu prennes Thierry Henry, le footballeur des années 30. Thierry Henry, le jongleur de rue. Pour le coup. En tout cas, je n'en dis pas plus sur les autres thèmes. Pour le coup, Thierry Henry, il y a beaucoup d'homonymes, je pense. Oui. Non. Oui. Oh non, mais je j'hésite mais entre un double prénom, il y a moyen que ce soit peut-être j'hésite entre syllabe doublée et fast food. Oh, fast food, tu connais un Claude, ouais, Claude il va avoir des chanteurs et Claude Nougaro, je sais même pas ce qu'il a fait, je sais que c'est un chanteur mais je sais pas ce qu'il a fait. Il y a un autre là, il attend que tu lui dises la réponse. Non, je rigole. Je vais prendre les fast food, allez. Fast food avec pas mal de questions sur McDo. L'indice. Oui, mais en fait, je n'y mange pas. Mais tu connais. Mais je connais le Big Mac, le CBO, Signature, le Golden, les plus Super Size Meat Nuggets. Ça nous a éduqué. T'as l'air de connaître surtout le McDo, du coup. Il connaît littéralement toute la map. Le Xav, Manon a fait 6. Est-ce que tu te strictes la gueule? L'État te dit que oui. Je vais faire 8, c'est sûr. En fait, vu les autres thèmes, je pense que je me strique. Parce que les autres thèmes, de toute façon, je n'arriverai pas. Il est bon. Il y en a qu'un qui a gardé sa strique. Il est là-bas, effectivement. On est parti. Allez, 3, 2, 1, quelle est la devise de McDonald's destinée à ses clients? Venez comme vous êtes. Oui, c'est une bonne réponse. Quel animateur radio a redonné son nom à un burger de chez Quick en 2022? Le Koé Burger. Enfin, Koé. Oui, Sébastien Koé, c'est une bonne réponse. Quels sont les deux légumes présents dans un kebab classique?
salade d'oignon. C'est une bonne réponse. Quelle compétition de football a été sponsorisée pendant 4 ans par la chaîne de pizza Domino's? La Ligue 2. C'est une bonne réponse. Chez KFC, comment s'appellent les morceaux de poulet pané entièrement comestibles? Les Thunder. C'est une bonne réponse. Pour la pub de quelle chaîne de fast-food Fred Testo a repris son personnage du commandant de bord, souvent apparu dans le SAV? À la télé en plus là. Burger King. C'est une bonne réponse. Dans quel film sorti? Il a piffé. En 2001, peut-on voir les inconnus déguster un menu McDo à emporter? Dans quel film? Ah, les rois mages. Ouais, bien sûr. Comment se nomment les potatoes de chez Quick? Les rustiques. C'est une bonne réponse. Dans le film The Founder, le fondateur. Quel comédien américain joue le rôle de Ray Kroc, l'homme à l'origine du succès de McDonald's? Ah oui. Tu l'as? Ah oui. J'ai pas. Oh non. Quelle chaîne de fast-food née sur l'Hexagone donne de vieux prénoms français à ses burgers? Allez. Quelle chaîne de fast-food née sur l'Hexagone donne de vieux prénoms français à ses burgers? Ah, le truc au coin. Le Big Fernand. Oui. C'est une bonne réponse. Dans le film fondateur, quel comédien américain joue le rôle de Ray Kroc? Comédien américain. T'es là-bas. Michael Jackson. Michael Keaton. C'est Michael Keaton. Ah ouais, Michael Keaton. Putain, les noms des acteurs, je les ai pas. T'étais là. Putain. T'allais faire 15 encore sur le parcours. J'ai dit 8, il faisait non. Ah ouais. En fait, c'était assez simple. Et j'ai chaté sur Burger King. En fait, j'étais en mode... On a pas de celui-là. On a pas de Quick, il en reste un. C'est pas dur. C'est 12 points pour le Xav encore une fois. Mais quel monstre! Quel monstre! Donne-lui. Pas mal, le fondateur. D'où te vient tout ce savoir, Xavi? Bon, là, c'était pas non plus les tenders en question 5, ça va quoi? C'est genre. Hein. Les tenders, l'heure de l'horloge. Big Fernand, il y en a à 500 mètres d'ici, ça va. Non, c'est le truc sur Quick, là, c'est quoi les potatoes, c'est quoi le nom? Les rustiques, il fallait l'avoir. Tu sais comment je le sais? Non. Que j'ai commandé Quick il y a genre 2 semaines. C'est vrai. Et que j'ai t'as pris quoi, les burgers rustiques? Parfait. C'est bizarre parce que tout à l'heure il l'a dit. Non, mais j'y mange pas. J'y mange jamais. C'est vrai que j'y mange rarement. Mais en plus, hier t'as commandé des frites. Attends, il était à ça. Ah oui, parce que j'aime pas les frites, moi. Enfin, je préfère. En fait, des bonnes frites. Non, mais j'aime pas les frites de fast-food. Je préfère les potatoes ou les rustiques. Et souvent, en plus, avec les trucs-là, il y a la sauce. Oh, la bonne sauce avec. Il y a la méta fast-food, bien sûr. Il y a une méta, effectivement, Xari, en légende à l'heure actuelle. Et on va enchaîner avec Max. Allez. Ok. Voilà. Je vais prendre les... voilà. On va tenter les clodes célèbres. Les clodes célèbres. Effectivement. Non, mais quoi, quel vidéo? Non, t'allais prendre le cinéma. Je pense que je réussis plus là. On va voir. Hey, ouf-moi, lui. Non, mais. Les clodes célèbres. Et la petite catchphrase, il n'y a même pas Claude François. Menro a fait 7 sur 10. Il y a des pièges ou c'est un quiz normal? Écoute. Dieu seul le sait. Tu peux l'appeler Étienne. C'est entre ses mains, effectivement. Tu n'as plus de streak, malheureusement, Max, mais tu peux toujours créer l'exploit. On est parti. 3, 2, 1. Dans quel jeu télévisé de TF1, basé sur la survie, a été révélé Claude Dartois? Basé sur la survie. Koh-Lanta. C'est une bonne réponse. Quel Claude comptabilise 71 sélections en équipe de France au poste de milieu récupérateur? Claude. Claude, c'est une bonne réponse. Quel Claude incarné Jackie Pic dans la série de films Camping de Franck Dubosc? Apéro. Claude Brasseur. C'est une bonne réponse. Quel peintre français du 19e et 20e siècle, précurseur de l'impressionnisme, a peint les coquelicots ainsi que le bassin en nymphéa? Je l'ai pas. Pas de camping à ça? Le seul. En voyage. J'ai pas, je suis désolé. Tu ne l'as pas, il n'y a pas de souci. Quel Claude, chanteur des années 60 et l'auteur des titres Armstrong, tu verras, ou encore Nougat, bien sûr. Ah, il est là. Quel Claude, narrateur du dessin animé Les Shadocks, avait le rôle de Panoramix? Il plus. Oui. Ah, il ne l'a plus. Mais quelle femme de lettres, ex-journaliste du Monde? Non, mais c'est ça. Ah pardon, j'ai compris, je l'ai plus. Excuse-moi. Je rajoute 20 secondes. Non, oui, j'ai compris, je l'ai plus. J'étais en mode, bon, mais tant pis. Quelle femme de lettres, ex-journaliste du Monde, s'est faite connaître du grand public en participant à de nombreuses émissions de Laurent Ruquier? Ah oui. Pas évident. Je l'ai. Pas cadeau. Je l'ai parce que je regardais, on n'est pas couché. Donc Pieds Plus, on l'accepte, hein, évidemment. Un classique. Bien sûr. Le voyage. Non, je l'ai pas. Il ne l'a pas. Quel Claude a été le sélectionneur de l'équipe de France de handball durant la période des costauds puis des experts? Je sais pas. Quelle comédienne française a incarné une dizaine de fois la femme de Louis de Funès au cinéma, notamment dans la série du gendarme à Saint-Tropez? Tu vas me le dire, je dirais ok, mais là, je sais pas. Tu l'as pas. C'était Claude. D'ailleurs, tu l'as, toi? À chaque fois, j'oublie son nom. Répète.
qui joue quelle comédienne française a incarné une dizaine de fois la femme de Louis de Funès au cinéma, notamment dans la série du gendarme à Saint-Tropez. Sébastien, il a fait revivre. Oui, c'est ça. Jensac. Très bien. C'est pas Claude Monet, le peintre? Non, c'est pas lui. Si, si, c'était Monet. Ah, c'est Monet. Effectivement, le peintre, c'était Claude Monet. Nougaro, c'était bon. Pied-plus, c'était bon, effectivement. Pied-plus, tu m'as regardé sur Pied-plus. Alors, tu l'avais, la femme de lettres, avec journaliste chez Ruquier? Mais c'est Sarro. En fait, apparemment, moi j'ai dit Sarro, mais apparemment c'est Sarro. 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 Claude Sarro. Je crois que c'est Sarro. Tu m'aurais dit Sarro, je l'aurais pas accepté. Et donc, j'aurais pas trouvé non plus, pas de regret. En fait, j'ai trouvé ce que je pouvais trouver. Elle est morte? Bah, tu me dis ça, je n'en ai aucune idée. Ah oui, en fait, déjà à l'époque, déjà, elle était vieille. Ouais, à l'époque, elle faisait très vieille déjà. Ouais, ouais. Les costeuses experts. Alors, l'ex-sélectionneur de l'équipe de France, c'était Claude Onesta. Ah oui. Ah, et la dernière question qu'on n'a pas eu le temps. Quel Claude, célèbre pour ses travaux d'anthropologie, a eu une forte influence sur les sciences humaines durant la seconde moitié du XXe siècle? C'est pas Claude Sarraute. Alors, il faut savoir que Claude Sarraute n'est pas morte. Voilà, donc on l'embrasse, évidemment. On l'embrasse. Eh bien, on l'embrasse. Mais t'as les news à jour, parce que ça te ferait tarder. C'est pas, mais pourquoi on a entendu un « Ah oui !» Ouais. Claude Sagan. Pardon. Sagan. Sagan. Non. C'était Claude Lévi-Strauss. Ah, Lévi-Strauss. Ah ouais. Mais jamais de la Lévi-Strauss. Lévi-Strauss. Sagan, c'était Lévi-Strauss. Okay. Effectivement. Bon, il n'y avait pas de piège. Pas de piège. T'as été correct. C'est pas mal, ça. C'était un quiz normal. Normal. Le pied fait marier. On voilà, enchaîne avec Geniusis qui va prendre le cinéma. Ah, Titi, là. En tactique, j'aurais pu prendre le Henri, parce que ça, j'aime bien Titi, mais. Cinéma, hey, non, cinéma. Mec, cinéma. Je vais prendre ça, ils vont me sortir des films espagnols et cinéma. Tout. Cinéma. Bah, vas-y, donne-moi bah, vas-y. Par contre, t'as ta streak. J'ai ma custry. T'as ta custry. Tu fais combien de films sur cinéma? 9. 9. 8. Donc il est bon. Henri SFR, à chaque fois je connais, mais j'ai jamais les noms. Donc vas-y, c'est bon. Concentre-toi. 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 Voilà, t'es dans ton tunnel, on y va, t'as la custry. On est parti, 3, 2, 1. Quel film coréen est le premier et le seul film en langue étrangère à avoir obtenu l'Oscar? Tu mets une bonne réponse. Quel film belge sorti en 2006 réunit à l'écran Mélanie Laurent, François Damien et Marion Cotillard? Film belge sorti en 2006 qui réunit à l'écran Mélanie Laurent, François Damien, Marion Cotillard. François Damien. Dickeneck. Oui, merci. On a un tout petit indice. Long métrage japonais sorti en 2000 a été précurseur pour les fictions telles que Hunger Games ou encore Squid Game? Non. Battle Royale? Non. Ah oui. Et oui, quel western spaghetti référence du genre réalisé par Sergio Leone conclut la série de trois films appelés la trilogie de l'homme sans nom ou trilogie du dollar? Bon, le bon la brute. Et quoi? Et le truand. Ouais, effectivement. Dans quel film danois sélectionné à Cannes peut-on voir Mads Mikkelsen? C'est une bonne réponse. Quel réalisateur britannique a dirigé les films Shaun of the Dead, Hot Fuzz ou encore Last Night in Soho? Ah, c'est Wright. Edgar Wright. Je préfère ça. Quelle production hispano-mexicaine réalisée par Guillermo del Toro plonge une petite fille dans un univers souterrain et fantaisiste? C'est une bonne réponse. Quel long métrage allemand de 2003 raconte l'histoire d'un homme faisant tout pour cacher à sa mère la fin de la RDA alors qu'elle était dans le coma lors de la chute? C'est une bonne réponse. Quel film mauritanien réalisé par Abderrahmane Sissako a obtenu la palme du jury à Cannes en 2014 ainsi que le César? Je passe, vas-y. Tu passes. Et quel film norvégien tourné en plan séquence nous fait vivre de l'intérieur la tuerie d'Anders Breivik sur une île remplie de jeunes étudiants? Oh putain, c'est fini, c'est une série. Ah putain, c'est un film. Ah, je sais plus. C'est pas putain, en tout cas, c'est Utoya. 22 juillet. T'as été très bon, alors, franchement. C'est pour ça. Mais oui, c'est pas dur, c'est une série. Boulot quand même. C'était ok, effectivement. Et le film mauritanien, c'était Timbuktu. Ah, Timbuktu, putain. Je savais pas que c'était mauritanien. J'ai pas envie de dire de bêtises. Et après, t'as fait un sans faute. Il y a eu quand même une petite édouille au début. On a senti que Dick Kennec. Pas loin de dire taxi. Film belge. Je me suis fait Carjaquet. Bon, oula, nul. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as perdu là? Bah, excusez-moi, attends, c'est pas mon rôle. Faut que je bosse, attends. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, t'as Battle Royale 2010? Bah, en fait, j'ai entendu 2010, t'es sûr que c'est 2010? 2010, non. Oui, non, je dis sorti en 2000. T'as dit 2010? C'est lui qui a dit 2010. C'est quoi le mot après 2000? Ah, moi. Quel long métrage japonais sorti en 2000 a été précurseur En fait, j'ai entendu 2010, c'est pour ça que j'ai pas répondu. Ok, c'est moi qui ai bugué. Ah oui, c'est moi. Peut-être qu'il a. De toute façon, tu l'as eu. Donc, non, mais écoutez, peut-être qu'il y a la barre et j'ai dit 2017. Tu l'as eu, gros. Et voilà. Et du coup, tu nous marques. Tu nous as fait 7, 8, 8 plus 3. C'est. J'avais dit que c'était news aujourd'hui.
11 points supplémentaires à Xav. Il y a Xav qui arrive. Attention, à 17, tu démarres très fort. C'était à Rof de choisir et il lui reste deux choix. Ah oui, syllabe, ouais. Je vais évidemment prendre syllabe doublée pour laisser Thierry Henry à mon ami sportif. Oh putain. Thierry Henry. Moi, ça sera pas dur, Thierry. Après, Thierry Henry. Si, c'est le vrai Thierry Henry. Oh, putain, tu lui laisses Thierry Henry, il est bon hein, sur Thierry Henry. Donc, Thierry Henry encore. En syllabe doublée, il est bien meilleur. Il est, c'est vrai. Mais syllabe doublée, c'était mon deuxième choix. T'aspect ? Bah, c'est facile souvent les syllabes doublées parce que déjà. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, tu dois réfléchir à. Tu vois, c'est pas bref. On ne met pas la pression. Si pas je non, fais pas la non. Merde. Alors, chance, tu fais. Évidemment, la syllabe doublée peut être un nom, un mot ou une partie du mot. Exemple, Nana Mouskouri. Eh oui. Eh oui, effectivement. Miu miu. Et tout, okay. Indice Menro. 8. Oh, tu es bon. J'étais en mode les lettres doublées. Non, parce que, non, il a vraiment fait 8 divisé par 2, donc 4. Non, 4. 4, ouais. Mais attends, comment il a pu faire 4 ouais, 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 ça va être, voilà. Hey, ça va être tendu. Hein. J'espère que tu as la première. Caca. Eh bien, figure-toi que ça commence. Ça fait marrer, ça commence par la même. Il est hilar. Tu n'as plus d'esprit que nous. Victoire de 1. Quel onomatopée poussé par un canard? Coin coin. Bonne réponse. Comment se fait surnommer Cyril Hanouna par ses fans zoos? C'est une bonne réponse. Comment appelle-t-on un steak servi cru dans l'assiette? Oh, c'est pour toi. Tartare. C'est une tartare, bonne réponse. Quel nom thaïlandais est donné aux taxis à trois roues très répandus dans les lieux? C'est une bonne réponse. Quelle opération commerciale créée par l'opticien Alain Flelou permet d'avoir une... Chin-chin. C'est une bonne réponse. Comment il a pu faire quel faire milieu de terrain brésilien en provenance de Monaco a fait les beaux jours du PSG au début de l'ère qatari? Connais Appleman. Bah caca, je veux dire caca. Eh bien non. Quelle station balnéaire allemande comportant deux fois le même mot est réputée pour ses bains thermaux? Baden-Baden. C'est une bonne réponse. Quel youtubeur a fait sa réputation en restant des heures devant la même vidéo ou devant un tacos? Oh oui. C'est quelle série d'animation française créée par Eric et Ramsey après les Rats était diffusée sur Canal Plus dès 2007? Alors là, mon pote, bon chant. Si, c'était très bien. On se voit même pas. Deux saisons. Dalton. C'est pas du tout. Bah non. Dans la Casa des Papels, ouais. Quelle expression est inventée par Palerme pour désigner une relation sexuelle sans lendemain? Fuck fuck. Tintin. Ce n'est pas. Comment? Tintin. Non, pas du tout. Pas du tout. Quel milieu de terrain brésilien en provenance de Monaco a fait les beaux jours du PSG au début de l'ère qatari? Ah oui, c'est ça. C'est quoi? Néné. C'est une bonne réponse. Néné. Les chonis. C'est vrai. Néné, effectivement. Non, c'est vrai. Un peu déçu de Menro pour le coup. Menro qui fait 4, mais moi je fais mieux. C'est pas. C'est Moot Moot. Oui, c'est une bonne réponse. C'était Moot Moot, la série d'animation. C'était Moot Moot. Moot Moot. Et dans la Casa des Papels, quelle expression est inventée par Palerme pour désigner une relation sexuelle? Pas boum boum. Bam bam. Ouais, mais manque quelque chose. Pas accepter boum boum. Boum boum. Boum tac. Et boum boum ciao. Et voilà, c'était. Alors que dans les films, c'est crac crac. Crac crac boum boum, je ne sais pas. Effectivement, tu nous fais quand même un beau set. Le Sam Sam était beau, le Sam Sam. Bon, tu montes à 17. Oh, le gars, je les prends. T'es propre. Je les prends, Tu montes à 17 en légende, donc attention les ballons. Avec un peu Thierry Henry, c'est infâme, mais là. Et là, il reste. J'espère que c'est le vrai Thierry Henry. Attends, t'es à combien de points? T'es à 12, toi. Oulala. Et tu n'as plus de streak à ce moment-là. Effectivement, Indice Menro, spécialiste du football, c'est 3 sur 10 directement, effectivement. Mais toi, par contre, tu es bien meilleur. Et tu peux. Titi. Aller chercher encore la victoire. Xari, qui pour l'instant, il fait des belles sessions. Il est complètement invaincu, j'ai l'impression. Il est trop fort. Je sais pas, j'ai l'impression, c'est sûr, même les stats. Encore une fois, j'ai déjà été vaincu par les notamment. Les augmente pas les chiffres. On est parti. 3, 2, 1. Pour quelle plateforme officie-t-il en tant que consultant depuis août 2021? Prime, vidéo. C'est une bonne réponse. Pour quelle nation a-t-il été entraîneur adjoint de 2016-2018? La Belgique. C'est une bonne réponse. 4 ans après son départ d'Arsenal, qu'a fait faire le club aux abords du stade pour lui rendre hommage? Statue. Bah, c'est une bonne réponse. Qui devance-t-il de 3 réalisations dans le classement des buteurs de l'équipe de France? Griezmann. Une mauvaise réponse, enfin, Xavi. Quel entraîneur lui aura fait faire ses premiers pas en tant que professionnel à l'AS Monaco? Wenger. C'est une bonne réponse. En 2012, dans quelle compétition a-t-il fait son retour chez les Gunners en inscrivant le but de la victoire face à Leeds United? But de la victoire, j'allais dire la première ligne, mais du coup, si c'est une victoire, je sais pas. Pour quelle chaîne de télévision britannique est-il devenu consultant en 2014? Sky Sport. C'est une bonne réponse. Ouais. En 2003, quel joueur européen l'a devancé d'une place au Ballon d'Or, le faisant ainsi terminer deuxième? Aucune idée.
c'est dur en plus. Sur quelle jaquette de jeu vidéo apparaissait-il au milieu de Del Piero et Ronaldinho? FIFA 2004. Et c'est une excellente réponse. Le boss, dans le quel boss. Club de l'Essonne a-t-il débuté en junior? Suci en brie. Aucune idée. Et non, c'est une mauvaise réponse. Qui devance-t-il de 3 réalisations dans le classement débuteur de l'équipe de France? J'arrive, franchement, c'est facile. Là, Giroud. C'est une bonne réponse, effectivement. Bon, bah, c'est facile, gros. Bah, oui, non, mais bah, t'as fallu en faire un autre, quoi. Ils font des débats. Tous les jours, va-t-il passer devant, machin, etc. Même moi, je l'avais, frérot. Ouais. Mais c'est bon. Alors, par contre, j'ai une petite question, moi qui n'y connais rien en football. En 2012, dans quelle compétition a-t-il fait son retour chez les Gunners en inscrivant le but de la victoire face à Leeds United? T'as dit Première Ligue, moi j'ai marqué Coupe d'Angleterre, c'est pas la même chose. Non, Première Ligue, c'est le championnat anglais. Mais vu que t'as dit le but de la victoire, ça peut pas être le championnat Coupe anglais. Coupe d'Angleterre, ça se rapproche. C'est pour ça. Ouais, c'était Coupe d'Angleterre. Voilà, mais en fait, j'avais aucune idée d'autres compétitions en Angleterre. C'est pour ça que j'ai passé, à part la Première Ligue, quoi. Aucun souci, voilà. Les gens l'avaient dans le chat, Suci en brie, ça régale effectivement. Alors en 2003, en brie. Donc c'était Coupe d'Angleterre. En 2003, quel joueur européen l'a devancé d'une place? Pardon? De nous un indice. Et comment tu sais le indice? Je connais rien, moi. C'est un footballeur. D'accord, c'est un footballeur. Ah. Ok, une idée. Ça commence par un P. P. Ouais. Oh, Nedved. Mais c'est une bonne réponse. Pavel Nedved, exactement. Je ne pouvais pas donner d'intimité. Bon, hein. Oh là là. Et dans quel club de l'Espagne a-t-il débuté en junior, tout comme Patrice Evra et Anthony Martial? C'est... J'ai rien. CO, les Ulysse. Les Ulysse. Les Ulysse. Ulysse. U2LIS, les Ulysse, voilà. C'est pas suffisant en brie. Ça me fait le même effet que Erwan quand on parle de jeux vidéo, je crois. Ah, t'as vu, c'est dur. Hein, de... je vous entends tous parler chinois, en mode... comprends rien. On va demander à Erwan s'il aurait fait 10. Est-ce pour Sky Sport? Heureusement qu'il y a TikTok. C'est Sky Sport GG. Parce qu'en gros, tu sais, t'as toujours marqué, t'as le Sky Rouge en bas. Ouais, en fait, t'as le. Tu sais, dans les TikTok, t'as toujours des extraits où Thierry, il parle et tout, et c'est à l'ancienne. Et du coup, il y a à l'ancienne, sport. Effectivement. Exari qui, selon mes calculs. Exact. Ouais. Et premier encore une fois, 19 points. Mais ça n'a pas démérité celui de traitement de Genius. Et Raph à 17 de ce côté-là. Pue la merde. Et un petit max cette semaine. Oui, alors. Pas aidé. Après, si on peut. On va revenir sur ce qui s'est passé, mais le gars est payé quand même pour faire ses quiz. Donc, Excuse-moi, Max, petite question rapidement. Tu pourrais me donner l'heure sur l'application horloge? Ça va aller. Il doit être 20h30. De ça. Effectivement. Je mets au défi quiconque de montrer un iPhone qui est resté au même état qu'au lancement, quoi. Eh bien, oui, c'est vrai. On peut pas t'en vouloir. Si tu changes le téléphone tous les deux mois, tu peut-être. Tu le sais. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Mais ce n'est pas possible. Merci évidemment à Étienne pour les questions encore une fois. Est-ce qu'on reprend sur les tweets? Regarde, le match, on met un jingle tweet et du coup on échange de place et du coup on reprend les tweets. C'est l'Amérique, les amis. On repart sur l'Amérique. Les réseaux sociaux. L'Amérique. Ford était bon. Bon, oui, beaucoup très beau quiz, effectivement. Galé, on est de retour et c'est Géria qui reprend la parole puisqu'il y a 7 ans. Il y a 7 ans, on était dans le football là encore une fois. Oui. Connaissez-vous Ronaldinho? Oui, un petit peu. Un peu légère, ouais. Il y a 7 ans, il s'est crashé avec sa voiture. Merde. Et ouais. Et il était, faisait peu la gueule et tout. Et tout à l'heure, on parlait de Jay-Z et sa fille qui faisait un peu la gueule. C'est vrai, quand tu t'es crashé, tu te dis putain, ma caisse et tout. Et là, il y a quoi? Il y a 7 ans, un fan qui voulait quand même juste faire un selfie avec lui. C'est vrai? Et la gueule, putain. Ah ouais, d'accord. Du coup, il y a 7 ans, Ronaldinho crachait sa voiture et un fan en profitait pour prendre le pire selfie de l'histoire. Oh la gueule. Bon, après, c'est pas une folie, machin. Mais j'avoue que c'est horrible, tu viens de te cracher avec ta caisse et un man fait gros. Tu sais, on peut faire une photo là. Ton pote, il est dans le coma. Attends, je peux faire une photo aussi, effectivement. Ah ouais. On voit qu'il était très heureux. Il était pas dans le manque, ça va. Effectivement, mais genre, j'avoue, ça fout un peu les boules. Après, bon, c'est bon. C'est bon. Il a rien eu, c'est le principal. Ouais, puisqu'on parle de foot, Genius. Ouais, ah oula, attends, je regarde mon runner. Préparation sur presque gazon, mon cher. Alors oui, mais c'est du tennis. C'est pour ça que j'étais un petit peu chafouillé. Bien joué, hein. Ouais, alors, c'est bientôt Wimbledon. Bah, il me dit foot. Non, mais gros, tu dois être sur le runner, frère. J'y étais avant, j'ai regardé, j'étais préparé. Je sais qu'avant, après, c'était gazon. T'as vu, hein. Il m'a dit ça, je regarde toujours. Mec, je te connais. Attends, je vais expliquer. Attends, je dès que c'est à moi, bientôt, je fais juste un petit tour. C'est à moi, hop, comme ça, je les ai en tête. Ok, donc j'étais surpris. Excusez-moi de. Il n'en connaît pas. Il a déjà mis beaucoup de tweets aujourd'hui. Ouais. Il va pas en mettre beaucoup. Non, je fais une chronique hier ce matin. Là-haut, j'ai peut-être comme ça. Tu dois être prêt parce que là, en fait, il fait son lancement. Je sais. Et 6 secondes après, t'es en mode. Alors. Et je tiens à m'excuser auprès de Max que quand il fait cette tête avec la bouche fermée, c'est qu'il est pas content. Et je m'excuse.
J'ai rien dit. Ah, oui, mais en fait, c'est vrai. C'est, je crois que quand je dis rien, c'est pire. Voilà, c'est bon ça. Je te connais, je te connais. Donc oui, alors c'est Wimbledon bientôt, mais il y en a qui n'ont pas les moyens forcément d'avoir tout le gazon. Du coup, voilà, cette joueuse qui se fait un entraînement que avec un petit bout de gazon sur le. Et c'est à pas connaître en plus. Hein. C'est à l'ancienne. Hein. C'est un petit à l'ancienne. T'as ça, bon. On fait comme on peut. T'as Rafael Nadal qui a 12 cours de gazon pour se chauffer et elle a juste un petit bout de gazon juste pour ça. Non, je trouvais ça. Un bon regard quand même. Hein. Et ah, juste. Bah, juste ça, ça lui permet de voir la, de ressentir du coup la différence de rebond, de vitesse. De... Ouais, enfin c'est vraiment, ouais, c'est plus que rien quoi. Mais ouais, c'est vraiment, ouais. Tu joues sur un petit truc. D'ailleurs, mais c'est quoi comme type de gazon? C'est le même type de gazon qu'un stade de foot pour le tennis ou pas du tout? Parce que je me pose vraiment la question, comment la balle rebondit. J'ai jamais. Enfin, c'est du gazon, c'est vraiment mou. C'est pas synthétique, mais c'est un truc genre vraiment le truc. Taillé de très très près. De très près. C'est du vrai gazon. Ça va vite. Ouais, ça va vite. Ça va vite. Je me rends pas compte du tout. Jamais été à Wimbledon. J'aimerais. Parce que c'est quoi les différences de course? C'est genre t'as terre battue, gazon. Terre battue, gazon. Dur. Dur, genre le béton quoi. Deux durs, un terre battue et un gazon. Ok. Voilà. Gazon va vite et terre battue va lentement et le dur. Le dur, c'est pas le plus rapide? Non, le gazon est plus rapide que le dur. Enfin. En vitesse. En vitesse, mais genre des fois, la balle rebondit moins. Oui, la vitesse, en vitesse, d'accord. Mais pas en rebond. Voilà. Ok, bah, très bien, c'était juste pour savoir. Voilà, ça régale. Belle info. Belle info. Oui, non, c'est surprenant de faire des... Bon, ça existe depuis une nuit des temps, hein, merci, mais de ne pas se mettre d'accord pour dire on joue tous sur la même putain de chose. Ouais. Ce genre de vidéo. Non, justement, c'est un peu une méta. Quoi. Quoi, ouais. C'est comme méta, sauf que quand t'as pas de thune, bah, t'as pas non, la méta. C'est comme si tu jouais. Quand t'as pas de thune, tu joues pas à Wimbledon, de toute façon, donc t'inquiète. Oui, aussi. Mais en vrai, si la meuf, elle pouvait aller à Wimbledon. Non, ça change de terrain, c'est bien. C'est comme si les mecs en F1, ils jouaient tout le temps sur le même circuit. Tu vois ce que je veux dire, enfin, justement, pas mal, pas mal. Et bien, c'est que par exemple, tu vois Nadal, 14 Roland Garros, et les autres grands chelems, il en a beaucoup moins. Federer, il doit avoir, je sais pas, 8-9 Wimbledon, je sais pas combien. Bref, le roi de l'herbe. Après, en vrai, vas-y. Elle a eu la chance que ce soit justement sur le gazon qu'elle ait dû faire cette technique, parce que quand tu dois découper du carré de terre battue, c'est plus sur le mettre sur ton truc. Mais d'ailleurs, il y avait pas eu des matchs d'exhibition où en gros c'était mi terre battue, mi gazon. Bah, il y a eu Nadal. Ah ouais, c'est marrant. Il y a eu Nadal contre. Et du coup, chacun était sur sa. Nadal était sur terre battue, Federer sur. Ah oui, mais du coup, Nadal, il était sur la terre battue ou il l'envoyait sur la terre battue? Non, je crois que c'est. Ils ont dû inverser. Je crois qu'ils ont inversé. Mais c'était un show match. Mais moi, je suis d'accord, par exemple, des gens comme... Alors, c'est faut prendre les gens de ouf, mais des gens comme les Sud-Américains et les Espagnols, ils sont quand même généralement un tout petit peu plus avantagés parce qu'il y a beaucoup, moins de terrain en terre battue que de bitume. C'est pour ça qu'il y a plein de joueurs qui n'ont jamais joué pratiquement sur terre battue. Ils arrivent, ils ne savent absolument pas jouer. Ouais. Alors que était sur bitume... Mais c'est surtout que terre battue, en gros, c'est quoi, c'est pas terre battue où il y a le moins de terrain dans le monde, entre guillemets. Oui, oui, avant complètement. Ouais, c'est quand même très spécial, quoi, la terre battue. Ouais. Après, l'air aussi. Mais rue, bitume, il devrait avoir, c'est vrai que si tu veux l'égalité totale, il devrait avoir que du bitume partout. Ouais. Il n'y a pas que le rebond là-bas. Ouais, c'est pas mal. Il y a aussi comment tu glisses, etc. La mais c'est pas mal d'avoir un peu de diversité. Après, évidemment. Il y en a 2 sur 4, c'est du bitume. Il y en a 2 sur 4, c'est bitume. Tu pensais vraiment que ça allait apporter tout ce débat là? Parce que... Non, c'est fou. C'est beau, c'est beau. On continue de parler de sport. On vous a montré il y a quelques jours, lors de la 3e étape, je crois. Bref, on s'en fout. Mais Gaudu qui avait. Oui! Gagné. Qui était passé devant. Ouais. On se rappelle des Jeux Olympiques, il n'y a pas si longtemps que ça, à Tokyo, où, en cyclisme féminin, on rappelle qu'il n'y a pas les oreillettes. Et donc, du coup, il y avait une meuf qui était partie. Le peloton l'avait oublié et la favorite avait gagné elle avait fini deuxième, elle avait cru qu'elle avait gagné parce qu'elle avait oublié qu'il y avait une meuf qui était partie. Pas une italienne? Je sais plus. Non, parce qu'il y a eu ça, pareil, il y a pas longtemps. Là. J'ai vu la fait de la loose qui était sortie. Et là, il y a eu un autre raté. Donc, deuxième étape du Tour de Suisse, un mec qui a réussi à faire un petit échappé, donc il finit tout seul en solitaire. Vous voyez, le peloton est quand même là, donc techniquement, au moins, il est visible, il gagne, bien joué à lui. Et juste après, il y a un mec qui joue quand même, souvent le peloton, même s'il y a des mecs qui sont arrivés, il joue le sprint, tu vois, enfin, un classique. Ouais. Et donc là, le mec va jouer le sprint, tu peux avancer un tout petit peu dans la vidéo, au moment où il sprint. Donc là, vous voyez, le mec va sprinter. Et il va croire. Il pense qu'il a gagné, vous avez. Il est arrivé, mais 20 minutes avant, quoi, le man. Non, parce que tu le vois, peloton derrière. Oh putain, t'as l'impression qu'ils sont tellement là, ouais. Donc là, il est en mode Let's go! Il a failli tomber. Ouais. Il a failli se fracasser. Il est trop heureux. Il est trop heureux et on l'a. Lui, il est arrivé depuis 6h30. Ouais, je veux bien un petit tropicana. Il a pas vu que. C'est un minute made. Et du coup, il connaît. Ah ouais, mais il n'y a pas de quiz sur les marques de.
Et après, le mec, il est arrêté et il est comme ça. Et le mec, il fait non, non, mais frère. Il est mollo, mollo, gros. Il n'est pas juste content d'être deuxième. Non. Au cyclisme, malheureusement, être deuxième, c'est naze, quoi. Leader. C'est vraiment. Il y a des sports où être deuxième, c'est bien. Ouais. Bah, deuxième au 100 mètres derrière Usain Bolt. Deuxième derrière Nadal, à la finale. Oui, deuxième au tennis. Bon, même si, voilà, t'es pas. Deuxième au cyclisme, tu l'oublies vite. Hein. Décevant. Genius, tout est pardonné. Oui, parce que le padel, évidemment, ring out, vous savez, moi, j'ai fait ma première fois au padel vendredi, et je ne pense qu'à ça, bien entendu. J'ai pas dit quoi. Tu peux nous faire un revers ? Un revers ? Bien sûr. Épaule, tu vois, comme ça, face. Eh bah, perdu. C'est à une main. Attends, ils sont bien, mes revers de main. Après, en vrai, je suis pas assez bon joueur pour dire qu'aucun joueur de padel joue à deux mains. Non, mais il peut faire des revers à deux mains. Allez, à la limite. Mais quand tu fais des coups droits à deux mains, j'ai envie de te péter la gueule. Oh, j'ai pas fait souvent. Tu fais des coups droits à deux mains. En fait, il a fait une descente au rouge comme ça. J'ai déjà, parce que j'avais jamais pris. Ça faisait, je reprends des raquettes depuis longtemps. Mais par contre, des fois, quand il passe, il passe. En vrai. Mais voilà. Mais en vrai, il a beaucoup de contrôle. Du coup, il envoie pile où il veut. Oui, mais tu vois la raquette de paddle. Oui, non, mais tu comprends que le grip, il est fait à une main. Quand même. Je sais. Non, parce que le grip, il est tout petit. Coup droit à deux mains, même au tennis, c'est que 100 euros qui faisait ça, c'était. Coup droit à deux mains, c'est quand même très très bizarre. Au revers, quand il passe, du coup, pourquoi on fait les revers à deux mains? Pour t'aider en fait à avoir du contrôle. Bah en fait quand t'es petit, il y en a, tout simplement, ils ont pas de force, pas assez de force, du coup ils s'habituent dès le début, dès leur jeunesse, à avoir à la fois pour la force. Ah donc en fait si tu as assez de force pour jouer tout à une main, jamais tu mets deux mains au tennis quand. Bah, en fait ça dépend, il y en a qui préfèrent aussi le deux mains, mais c'est juste qu'au paddle t'as pas besoin de force, enfin on est à notre niveau, t'as pas besoin d'avoir de tirer fort comme un malade. C'est juste qu'au tennis normalement quand t'as deux mains, logiquement beaucoup plus de gens jouent à deux mains parce que t'as un meilleur contrôle, tu peux plus. C'est un clé de ton poignet, fait des angles de fou. Surtout plus ça fort. Ça dépend jamais de si t'es gaucher ou droitier en fait. En fait, quand t'es gaucher, tu fais les revers de l'autre côté. Ouais. Ouais. En fait, le coup droit, c'est le coup de ta main forte. Donc quand t'es gaucher, c'est droit. Donc tu fais un coup gauche quoi en fait. Ouais, bah Nadal, il fait des coups droits de gaucher quoi. Ouais, ok. Mais après, j'ai vu il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo d'un gamin là, un junior, il joue avec les deux mains. Oui, j'ai vu parce que il fait que des coups droits parce qu'il fait pas de revers. Du coup, il fait que des coups droits. Oh le boss. Ouais. Donc en gros, quand la balle arrive, hop, il fait que des coups. C'est Moratoglou, qui le. Trop fort. Et à un moment, il a joué dur à tête comme ça. Double là. Comment il s'appelle le robot, la Grievous. Après ça, c'est peut-être viable parce qu'il est jeune et que du coup, il joue pas à mal avec les balles. Il fera pas ça à haut niveau. C'est ça qui a fait derrière Gasquet. Ça, c'est on dit que c'est fort parce qu'ils ont une main. Donc voilà. Mais non, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le padel depuis vendredi, je pense qu'à ça. Et il y a un petit point sur TikTok, à chaque fois je suis tombé un petit point de petite balle de paddle. Ça fait plaisir. Je vous montre, ça fait plaisir. Hop. Vous allez voir le mec qui avec la belle musique. Hein. Voilà. Il sort en plein milieu. Il sort. Ouais, mais bon, j'avais pas mieux. Hop. Et vous allez voir le mec, je sais pas. Alors peut-être que c'est fake parce que le mec il ressort, il anticipe. Regarde. Non. Ouais, mais mec, c'est quand même. Jusqu'ici tout va bien. Ah, mais rien, les boss que c'est. Tout va bien. Rien que ça pour faire ça, par contre. Non, mais c'est des monstres. Le mec, des monstres que c'est. Et là, hop, voilà, il va jouer de la mettre. Il a perdu. Sortir deux fois du. Tu l'as fait une fois. T'es sorti du cours. Oui, bah, c'est fort. Mais en fait, c'est ça, c'est l'anticipation de fou. Non, mais en fait, ça fait deux fois qu'il anticipe de fou. Je me dis quand même, les mecs, ils connaissent sa trajectoire. Quand tu es habitué, tu dois connaître la trajectoire. Par contre, s'il te plaît, la prochaine fois, prends une vidéo où il n'y a pas du texte dedans, quoi. Bah, c'est TikTok. Ah oui, mais. Arrête TikTok. Tape pas d'elle, tape pas d'elle. Tous les best of là sont tous sur YouTube. Sinon, depuis quelques années d'ailleurs. Sinon, tu tapes plus padel, mais tu vas voir que tu vas voir plein de. Ouais, bah, je ferai une citation. Bah, gale-toi. Oh, bah, merci, mec. Il nous reste 3 minutes. Trop. Oh, bonjour. Je te laisse. Tu me laisses continuer, oui. Non. Vous connaissez Ocon, le. Oui. Ah, le pilote. Le Formule 1 driver. Il y a le Grand Prix de France bientôt, et donc du coup, il a demandé un peu à la commu de faire son casque, puisque vous savez, souvent. Il y a certains grands prix où tu fais des casques spéciaux. Bon, là, il est français, donc Grand Prix de France. Il y a des mecs pour le Grand Prix de Monaco. On avait vu pour aux États-Unis, Lando Norris, là, son casque en basket, là, en ballon de basket. Et sauf que du coup, il est en mode si vous voulez, vous pouvez faire mon casque, entre guillemets, vous pouvez faire des propales. Et il y a une propale, si elle gagne. C'est folie. Franchement, elle est catastrophique. Franchement, c'est parfait. Elle a tenté un jour comme ça, mec. T'es devant Hamilton. Salut, vieux. Si tu gagnes avec ce casque. Mec, t'es le boss. Ah, tu gagnes avec ce casque, t'es le roi du pétrole. Hein. Toi, t'es le boss. T'es vraiment tu ne le retires plus, tu vas sur le podium avec. T'es le boss. Ouais, bon, il faut faire attention. Ah, chapeau. Pas bon. On rappelle à la commu qui avait fait le.
le App Burger, tous ces trucs-là, quand tu demandes à la commu de faire des trucs. Ça se retrouve à mon cul. Ouais, ça se retrouve à mon cul. Ça, c'était, je crois que c'était Taylor Swift ou je sais plus qui a dit je fais un concert gratuit dans une école et après, les mecs avaient voté pour une école de sourds. Il est malin, il n'y a pas de vote. La blague est bonne. Il a dit je vote pour mon. Je vais choisir mon préféré. Non, mais il a pas dit. C'est Oasis aussi qui avait fait un concours de ville et il y a eu Issou qui a été évidemment relayé par la commu. Le Mac Onche. Le Mac Onche. Le fameux Mac Onche, effectivement. Ouais. Les amis, on arrive déjà au bout de ce récap. Tout va vite ici. On est mardi. Le mardi, il y a quoi après le récap? Évidemment qu'il y a un bon react cette semaine. Encore une fois, en compagnie de Xari. Xari et moi-même, on va bien se régaler. T'as sélectionné pas mal de cul d'ailleurs aujourd'hui. Donc, bof, mi-cul. Mi-raisin, effectivement, le casting couch qui nous attend derrière. Donc, on va se régaler encore une fois dans la joie et la bonne humeur. Donc, très très bon react encore. Ça fait beaucoup rire, Marie, en tout cas. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Évidemment, sur le stream, on se retrouve demain, 18h30, pour un nouveau récap. À partir de 12h30, évidemment, le lunch play sera présent pour vous accueillir. Qu'est-ce qu'il y a de spécial cette semaine-ci? Sachez que jeudi, vendredi, je suis pas là parce que je me casse au Hellfest. Voilà. Et que demain, dans le récap, j'ai dit quoi? Demain dans le récap, il y a une petite annonce sympathique. Voilà, je vous invite à être présent pour la découvrir avec nous. On vous fait des bisous et à demain. Bye bye. Quelle heure sur le logo de l'horloge